Bonjour à tous, bonjour à tous, vraiment à toutes et merci d'être là au rendez-vous pour ce 12e séminaire Ramsar, un séminaire complètement 2.0, forcément le contexte oblige, contexte sanitaire oblige. Nous ne sommes pas réunis physiquement dans un même lieu, ça devait être à la maison du lac de Grandlieu. Eh bien ce n'est pas comme ça, nous sommes à distance, vous, chez vous peut-être, ou au bureau probablement, installés confortablement, j'espère, pour nous suivre pendant 2 heures en direct. Donc c'est comme une émission, une web émission que l'on vous propose. Et puis nos intervenants initialement prévus sont tous là, ils ont répondu présents, ils se sont adaptés aussi et eux aussi interviendront depuis leur bureau ou leur chez eux, confortablement installés eux également, et c'est sûr avec une envie folle, c'est ce qu'il fait qu'ils sont là, c'est les raisons pour lesquelles ils ont répondu présents, une envie folle de témoigner, de partager avec vous leurs expériences mais aussi leur volonté, et on va voir, on en a besoin. Les zones humides méritaient absolument que cet événement soit maintenu, c'est ce qu'ont voulu Ramsar France et la Maison du Lac de Grandlieu, les porteurs de cette 12e édition. Maintenir à tout prix pour vous donner l'occasion d'échanger, je l'ai dit, et puis aussi de vous inspirer les uns des autres, c'est ce qu'on va essayer de faire. Vous allez pouvoir participer, vous qui nous suivez en streaming, grâce au chat que vous voyez sur votre interface, là sur votre écran d'ordinateur. Le principe, vous le connaissez, je ne vais pas vous le réapprendre, vous posez vos questions, vous faites vos commentaires. La petite différence, c'est que c'est moi qui vais les relayer. De temps en temps, vous me verrez regarder cette tablette à mes côtés. Ce n'est pas que je suis en train de regarder les résultats de l'élection américaine, pas du tout. C'est juste que je surveille le chat attentivement. Et puis, à des moments précis, des séquences, eh bien, je relaierai vos questions pour que nos intervenants puissent y répondre. Le grand thème de ce séminaire, vous le connaissez également, on va parler des sites Ramsar, c'est une évidence, et de la sensibilisation des publics, il faut insister sur ce pluriel, on verra, et avec ce numérique au service de la préservation des milieux humides. Je vous propose donc qu'on rentre dans le vif du sujet avec notre première table ronde introductive. Eh bien oui, parce que pour bien comprendre les enjeux de ce séminaire et ce qui faisait qu'il fallait absolument le maintenir, comprendre le thème choisi, nous avons avec nous 3 invités. Je les présente et puis après on les entendra. Vous les voyez apparaître à l'écran. Il y a tout d'abord Jérôme Bignon, le président de Ramsar France, ancien sénateur de la Somme. Bonjour Monsieur Bignon. Bonjour. À vos côtés. Ravi d'être avec vous. Eh bien, nous aussi, on est ravis de vous avoir, évidemment. Ça n'aurait pas été possible autrement. À vos côtés, au centre de l'écran, c'est Freddy Hervochon, le vice-président du Conseil départemental de Loire-Atlantique, en charge, entre autres, des ressources et milieux naturels. Bonjour, monsieur Hervochon. Merci d'être là avec nous. Bonjour à vous tous. Et puis, enfin, Olivier Hubert, le directeur de la Maison du Lac de Grandlieu. Je le disais, c'est chez vous, à la maison, qu'on aurait dû être, Olivier, mais ce n'est pas le cas. Merci d'être là. Alors, je vais commencer avec vous, Jérôme Bignon, si vous voulez bien. Je l'ai dit, vous êtes, mais je ne vous présente plus, tout le monde vous connaît, mais vous êtes le président de l'association Ramsar France, ancien sénateur de la Somme. C'est important parce qu'à ce titre, vous aviez remis en 2019 un rapport, Terre d'eau, terre d'avenir, portant sur la restauration et la valorisation des milieux humides. Nous y reviendrons probablement dans notre échange. Alors, il est là, le rapport, vous le montrez, c'est chouette. Ce 12e séminaire, je le disais en introduction, il fallait le maintenir. C'était important pour vous, pour l'association et pour les acteurs, finalement, c'est ça. Ah oui, parce que c'est une démarche dynamique que nous avons entreprise. Elle commence à être un peu ancienne. J'ai retrouvé dans mes archives un document qui date de 2008 ou 2009, où il y a déjà un rapprochement de Danone, de Ramsar, de Site Ramsar, etc. Donc, on a créé l'association en 2011, donc ça commence à faire quelques années. C'est notre 12e séminaire, donc il y a une dynamique qui se voit dans les chiffres, puisque on est parti, il y avait environ 25 sites Ramsar quand on a commencé. Aujourd'hui, on est à 50, et
plus encore qui sont en préparation. Donc ça veut dire que le travail qui a été accompli a été fructueux, avec avec quelques courageux et volontaires qui se sont réunis pour travailler avec l'appui du gouvernement français, avec évidemment l'appui du secrétariat général. Je suis heureux de saluer la secrétaire générale qui assiste à nos débats aujourd'hui, qui est extrêmement utile dans notre engagement. Donc voilà, on ne fait jamais rien tout seul dans la vie. C'est un groupe d'hommes et de femmes. C'est les autorités publiques françaises, internationales. C'est aussi les militants qui sont venus avec nous. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il commence à y avoir du résultat. Et il faut continuer parce que le problème est toujours présent devant nous. Préserver les zones humides, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la planète. Alors, on va développer un petit peu. Vous avez donné un chiffre, hein, 56 Ramsar en France. On peut peut-être voir la carte, d'ailleurs, qui va nous illustrer ça. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, en réalité. On estime à combien ? Oui, il y a un haut fonctionnaire qui avait commis un rapport au début des années 2010 pour dire qu'il y avait un potentiel de 110-120. Bon, imaginons déjà qu'on atteigne la centaine. Ça veut dire qu'on peut doubler. Alors actuellement, le dernier qui a été homologué, c'est le site Scarpesco, mais il y en a plusieurs qui sont, comme on dit trivialement, dans les tuyaux, parce que c'est un travail. Il ne faut pas croire qu'il suffit de dire « je veux être Ramsar » pour le devenir. C'est un travail qui est accompli localement par des militants, des élus de terrain qui s'intéressent à leur lieu, mais également en lien avec l'administration centrale, qui délègue pour partie aux administrations régionales, et en lien évidemment avec la convention de Ramsar, qui est basée à Gland, en Suisse, et qui travaille pour vérifier que les conditions posées par les signataires de Ramsar en 1971 sont bien remplies. Ramsar, ce n'est pas un sigle, c'est une ville qui est située sur les bords de la mer Caspienne, où a été signée en 1971 par une quarantaine d'ambitieux très déterminés. L'idée, pour sauver les villes, les sites Ramsar, les sites humides du monde, qui étaient en train de commencer à diminuer. C'est rien par rapport à ce qui se passe actuellement, mais c'était déjà commencé. Voilà, c'est ça l'histoire. Hein. C'est une cinquantaine d'années bientôt. Quand on a préparé un petit peu ce rendez-vous, vous me disiez finalement en ce moment tout est fait pour que les zones humides aient une cote extraordinaire parce qu'elles sont une solution, une réponse à différents problèmes qu'on rencontre, entre autres sur les dérèglements et réchauffements climatiques, mais vous allez nous en dire plus et j'ai envie de vous poser tout de suite la question, qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas suffisamment la cote ? Est-ce pour ça que vous avez choisi comme thème cette année, spécifiquement, l'enjeu de sensibilisation des publics ? C'est clair que si on n'explique pas, on n'avance pas sur ces sujets-là. Ce sont des sujets délicats parce que c'est vrai qu'a priori, on peut se dire, une zone humide, d'abord le terme n'est pas très parlant, puis ça, c'est pas très sympathique, on se dit après tout, il faut valoriser ce qui est intéressant dans la zone humide, capacité d'absorber du carbone, capacité d'héberger des espèces faunistiques et floristiques, c'est-à-dire à la fois des plantes et à la fois des animaux, tout à fait exceptionnelles. S'il n'y a plus de zone humide, il n'y a plus de migration des oiseaux, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de... C'est une perte considérable. Et vous savez qu'on ne le sait pas assez, mais la capacité des zones humides à absorber du carbone est plus forte ou au moins aussi forte que celle de la forêt. Donc on a un intérêt majeur pour régler le problème du réchauffement à non pas détruire les zones humides, mais au contraire les préserver, voire aller réparer, comme ça s'est fait récemment dans le Drujon et comme ça se fait dans beaucoup d'endroits. Je merci pour cette petite introduction, Jérôme Bignon. Et je reviens vers vous, bien évidemment, dans quelques instants. Oui, la parole à Freddy Hervochon, oui, vice-président. Oh ben, je n'hésiterai pas, évidemment. La parole à Freddy Hervochon, donc vice-président du conseil départemental de Loire-Atlantique, là où nous sommes. Avant de vous entendre, Freddy, je vous propose de découvrir d'emblée. Allez, et puis ça va nous donner des belles images et ça va nous donner envie d'aller plus loin. Un très beau film qui a été fait pour présenter les sites Ramsar de Loire-Atlantique. On regarde.
4 sites Ramsar en Loire-Atlantique, Freddy Hervochon, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. On est d'abord très fiers d'accueillir cette deuxième édition Ramsar. Hein, vous l'avez indiqué dans ce beau film. Hein, Jérôme évoquait les services rendus par les onomies, mais à travers ce film, les onomies aussi peuvent donner de l'émotion et du bonheur. 4 sites Ramsar, les marais de la Brière, Guérande, le lac de Grandlieu, Olivier évoquera ce lac de Grandlieu exceptionnel, et puis marais breton. Bref, l'eau, pour résumer, en Loire-Atlantique est partout, et ce n'est pas un hasard que la Loire-Atlantique est le deuxième département de France par ses zones humides, par son importance des zones humides. Alors, c'est une vraie richesse, hein, Jérôme Guignon l'a évoqué, avec l'ensemble des services rendus. Nous commençons maintenant à prendre conscience des services rendus exceptionnels par ces zones humides, mais pour autant, il y a des grandes fragilités, hein. Nous accueillons des sites remarquables en Loire-Atlantique, mais aujourd'hui, nous avons malgré tout des masses d'eau pas en bon état écologique. Nous avons subi, comme partout ailleurs, la disparition des zones humides, hein, plus de 50% entre les années 60 et 90, et les causes sont multiples, mais la principale que je voulais mettre en avant dans cette introduction, la principale, elle est liée à l'urbanisation, au développement économique, à l'agriculture intensive, bref, à l'artificialisation des espaces agricoles et naturels. Et dans notre département de Loire-Atlantique, c'est un enjeu stratégique parce que nous sommes un département très attractif, hein, 17 000 habitants par an, attractivité avec des métropoles nantaises, nazériennes, attractivité littorale. Tout ça, bah, il faut loger des gens, il faut prévoir des routes, des collèges, et ce n'est pas sans incidence. Et je veux qu'on retienne vraiment cet enjeu majeur qui est l'artificialisation des sols, car on voit que son rythme est complètement lié au rythme de la disparition des zones humides. J'ai envie de dire, Freddy Hervochon, peut-être que aussi de tout temps, les élus n'ont pas toujours été suffisamment sensibilisés et conscients de la richesse que représentaient les zones humides. On a fait des bêtises. Voilà. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, et ça reboucle avec notre thème de la sensibilisation, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, quand même, globalement, collectivement, les élus sont plus sensibilisés, plus mobilisés, plus conscients des enjeux, ou pas ? Oui, plus conscients, mais il va falloir aller plus vite, plus loin, il va falloir accélérer. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le rythme d'artificialisation chaque année, en Loire-Atlantique, hein, depuis les 10 dernières années, 500 hectares par an. Alors, c'est mieux que les décennies précédentes où nous étions à un rythme de 1000 hectares. Mais même 500 par an, c'est trop important, c'est énorme. Ça veut dire 60 000 hectares tous les ans qui sont artificialisés, essentiellement sur les terres agricoles, mais aussi sur les terres naturelles. Alors, faut imaginer que ce rythme, il est dans un contexte exceptionnel d'après-guerre. Hein. Nous avons artificialisé, pour donner une idée, 2 fois plus de terres depuis 1950 que toute l'humanité auparavant en Loire-Atlantique, 30 000 hectares. Donc, on voit que ce phénomène, il est lié à un mode de vie lié à une énergie du pétrole qui a permis ce développement exceptionnel de nos sociétés, mais aussi cette disparition considérable de nos espaces et des zones humides. Alors oui, il y a une conscience, mais on sait que pour changer les choses, il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'il va falloir profondément remettre en cause notre modèle économique et notre modèle de développement urbain. Et là, je pense que tous les élus sont d'accord pour préserver la biodiversité, mais si on doit taper dans le dur, il va falloir rapidement en revoir notre modèle de développement. Et là, c'est une autre affaire. Oui. Ça veut dire revoir notre mode de développement des zones d'activité qui sont très dispendieux des espaces naturels et agricoles, revoir notre modèle urbain et lutter encore plus sur l'étalement urbain, revoir aussi le mode de l'agriculture. Donc, c'est ce que j'allais dire, Freddy Hervochon. Vous touchez le mode économique, notre mode de développement actuel. Si vous me permettez, c'est vrai que vous insistez, et c'est important parce que c'est majeur sur le thème de l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols, finalement. Mais on le sait, d'autres questions se posent. On aura l'occasion d'en parler pendant ces 2 jours de séminaire, mais sur la qualité des eaux, sur des fois le manque de maîtrise et de pouvoir d'action qu'on peut avoir sur les bassins versants ou autres. On voit bien que les enjeux sont forts. Mais juste pour conclure sur ces
premier propos introductif. On a parlé là des sites remarquables identifiés, labellisés, Ramsar d'ailleurs en Loire-Atlantique, mais des zones humides, il y en a partout. Et là aussi, les élus locaux ont un rôle important à jouer. C'est-à-dire qu'il faut leur apprendre que, par exemple, non, on n'est pas obligé de combler systématiquement toutes les marques qu'on a sur sa commune, par exemple. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire aujourd'hui, les zones exceptionnelles, Ramsar, Natura 2000, réserves naturelles, bon, il y a des choses à faire, il y a des progrès dans la gestion, dans la protection, mais globalement, elles sont protégées par des arrêtés de protection naturaliste. Le vrai danger, c'est toutes les zones humides dites ordinaires, qui représentent un nombre considérable et qui sont grignotées sans personne s'émeut. Ouais. Et la meilleure protection qu'on a aujourd'hui, on ne mettra pas des arrêtés de protection naturaliste partout, c'est le maire qui est à nouveau en première ligne. On part du maire dans beaucoup de domaines, mais là, à nouveau, à travers le PLU, qui est un outil réglementaire, qui n'est pas simplement là pour organiser le développement urbain et le développement de l'activité. Le PLU peut être un outil très protecteur pour préserver ces zones humides ordinaires qui sont importantes et qui, aujourd'hui, sont les plus menacées au niveau de nos espaces. Et là, on a effectivement l'enjeu, et ça rejoint aussi l'enjeu de la lutte contre l'étalement urbain, de revoir notre modèle d'urbanisation pour éviter de consommer ces espaces naturels et agricoles dans le PLU. Alors, il y a des progrès. Vous avez vu que le rythme a diminué. Je crois que c'est le fruit des politiques publiques. Mais il va falloir aller, comme je redis, plus vite, beaucoup plus loin. Et pour cela, Jérôme l'a évoqué, il faut faire connaître, il faut protéger et il faut engager des actions majeures de sensibilisation. Ça va être le travail que nous allons faire à la Maison du Lac. Je ne rentrerai pas dans les détails. Non, pas là. Nous avons vraiment cet enjeu majeur de repositionner la Maison du Lac comme un enjeu où les zones humides ont un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Ça sera le nouveau positionnement de la Maison du Lac. Il l'avait déjà, mais on va aller beaucoup plus loin. On va aller plus loin. Merci pour la transition, Freddy Hervochon. Ça me permet de donner la parole à Olivier Hubert, le directeur de la Maison du Lac de Grandlieu. Bonjour, Olivier. En deux mots, si vous deviez la présenter rapidement à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cette Maison du Lac de Grandlieu, vous diriez quoi, Olivier ? En deux, trois mots, quand même. C'est ça, Alors, la Maison du Lac de Grandlieu, c'est un centre d'éducation à l'environnement, un centre de valorisation des zones humides, notamment celle du lac de Grandlieu, mais plus largement l'ensemble des zones humides. Elle est constituée d'un centre d'accueil, d'un sentier pédagogique et d'un pavillon d'observation, un pavillon qui appartient au Conservatoire du Littoral et qui permet d'observer la zone humide, le lac de Grandlieu, sans y pénétrer. Cette maison du lac de Grandlieu, elle est portée donc, par le département de Loire-Atlantique. Elle a été ouverte en 2014 et elle a été confiée en gestion à l'Agence d'ingénierie territoriale Loire-Atlantique Développement. Voilà, en quelques mots, la Maison du Lac. Et puis, je vous propose qu'on la découvre en images, du coup, parce que ça donne envie. On regarde ce très beau film sur la Maison du Lac de Grandlieu. Thank you.
Pour reboucler avec ce que nous disait Freddy Hervochon, Olivier Hubert, j'ai l'impression que la mission du lac, c'est de dire « vous ne ressortirez plus de chez nous pareil ». C'est-à-dire que votre mission, c'est que si on vient à la Maison du Lac, vous voulez nous informer, nous sensibiliser, mais nous marquer aussi. Il y a de ça, hein, une volonté de frapper, frapper fort dans les esprits. Alors, il est vrai que c'est un des points peut-être forts et une singularité de la Maison du Lac de Grandlieu, c'est que tous les visiteurs qui viennent découvrir en fait ce site sont accueillis par un médiateur. Donc, il y a une médiation humaine, des informations donc, qui est portée à la connaissance de l'ensemble des publics. Donc, c'est là où on a un rôle effectivement très important, où chaque personne qui vient à la Maison du Lac repart avec un message sur la nécessité de les préserver. Et les publics que vous visez, parce qu'on l'a dit depuis le début, on a parlé des publics et on vient de parler notamment des publics des élus, on pourrait parler des acteurs économiques aussi, des acteurs du développement, ils font partie de vos cibles à la Maison du Lac de Grandlieu ? Alors effectivement, la Maison du Lac de Grandlieu s'adresse à l'ensemble, elle est au service de l'ensemble des publics. On a une priorité bien évidemment sur le public scolaire, mais aujourd'hui, avec l'urgence, les différentes urgences, qu'elles soient climatiques, en matière de biodiversité ou de régression des zones humides, il ne suffit plus de sensibiliser les jeunes publics. Aujourd'hui, on doit aussi sensibiliser les adultes et également les décideurs. C'est important aussi d'avoir, de pouvoir transmettre des messages aux décideurs. Alors, qu'est-ce qui se passe quand moi, je viens, moi, citoyen lambda, quand je viens à la Maison du Lac de Grandlieu, je suis prise par la main, on me fait visiter des endroits précis, on me montre le lac, dont on dit qu'il est difficilement visible. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, effectivement, le lac est difficile d'accès. On a tout d'abord le centre d'accueil qu'on a vu en image qui permet de découvrir une exposition là, en autonomie. En revanche, toute la lecture de paysage, toute la... lecture de compréhension et également d'observation du milieu se fait en présence d'un médiateur qui permet de transmettre un certain nombre de connaissances du coup, sur les zones humides, sur le lac de Grandlieu, mais sur l'intérêt de conserver les zones humides en général. J'en profite parce que j'ai une première question là, qui arrive sur le chat, donc merci. Hein. Vous êtes très nombreux déjà à participer. Et je vois une question qui reboucle avec ce que nous disait Freddy Hervochon et peut-être que l'un de vous trois pourra répondre. Jean-Pierre Thibault nous dit « Il me semble qu'une proposition de loi est déposée pour intégrer cette délimitation des zones humides dans les PLU. Est-ce que cette proposition chemine ?» Vous êtes au courant ? Vous êtes au jus ? On a des infos ? Il me semble que c'est déjà le cas, c'est-à-dire aujourd'hui, l'inventaire des zones humides est réalisé hein, au préalable dans chacune des communes et annexé au PLU. Donc, il y a peut-être des choses à préciser, mais ce genre de disposition est déjà intégré. Alors, tous les PLU ne sont peut-être pas mis à jour aujourd'hui et devront intégrer l'inventaire des zones humides, qui est d'ailleurs imposé par les schémas d'aménagement de gestion des eaux. En général, les communes sont au sein de bassins versants dans lequel on planifie des orientations et des préconisations qui sont gérées par les schémas d'aménagement de gestion des eaux qui demandent aux PLU des communes d'intégrer l'inventaire des zones humides, de les annexer et qu'ils deviennent opposables au tiers au moment où un concitoyen, une entreprise dépose un permis de construire. Si jamais le terrain est en zone humide, il va vite avoir des complications pour pouvoir obtenir l'autorisation de construire. Je ne sais pas, Jérôme, oui. Je crois que Jean-Pierre Thibault fait allusion à un texte qui a été déposé par Frédéric Tuftel, qui est député de Charente-Maritime et qui avait co-rédigé avec moi le rapport sur les zones humides. C'est un sujet qui l'a préoccupé. Elle savait qu'il y avait des choses qui étaient déjà là dans les textes, mais elle voulait développer l'attention en déposant ce texte. Souvent, les propositions de loi, qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus simples que les projets, permettent d'attirer l'attention du gouvernement sur l'urgence à trouver des solutions, comme vient de le dire Freddy dans son intervention. C'est des choses qui existent, qui sont un peu perdues dans les textes réglementaires, et c'est de donner un petit coup d'éclairage sur la nécessité d'aller plus fort et plus loin sur ces problèmes de désignation des zones humides dans les plans d'urbanisme. Voilà, je pense que c'est à ça que faisait allusion Jean-Pierre.
Je reviens avec vous, Olivier Hubert, parce qu'il y a une question de Pierre Corr. Alors, cette question, elle est primordiale. Elle va être omniprésente, je crois, très présente en tout cas dans nos échanges pendant deux jours. Pierre nous dit, comment mettre en valeur notre patrimoine naturel en autorisant l'accès au public sans surprotéger et interdire? J'imagine qu'à la Maison du Lac de Grandlieu, quand vous sensibilisez vos publics, ces questions-là sont plus ou moins abordées. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Qu'est-ce qu'on leur répond? Comment on fait pour à la fois ne pas tout mettre sous cloche, autoriser un peu de monde, de tourisme? Voilà, comment on gère? Alors, c'est vrai qu'on est directement concerné, nous, à la Maison du Lac de Grandlieu, puisque le lac de Grandlieu est inaccessible au public. On ne peut y accéder qu'en faisant le tour. Donc, en fait, il y a un certain nombre de fenêtres qui permettent d'observer le milieu. Donc, c'est là que le rôle des médiateurs est très, très important. Et d'ailleurs, c'était le rôle même, enfin, l'essence, en tout cas, de la Maison du Lac, c'était de pouvoir expliquer au public, aux habitants de l'Euro-Atlantique, pourquoi ils avaient un espace naturel aussi important aux portes même d'une grande agglomération comme Nantes et qu'ils ne pouvaient pas y avoir accès. Et ça fait partie, effectivement, on est obligé de le faire passer par, je pense, une médiation humaine. Alors, dans le cas du lac de Grandlieu, c'est lié aussi à l'histoire de ce site et à l'acte de donation de son ancien propriétaire qui a souhaité que le lieu ne soit pas accessible au public pour en préserver la biodiversité. C'est aussi peut-être grâce au fait qu'effectivement il soit non accessible au public qu'aujourd'hui il regorge, par exemple, autant d'espèces d'oiseaux. Grégoire Maqueron du SNPN nous demande comment on fait pour toucher les publics plus urbains qui ne sont pas à proximité des sites dont on parle, y compris des sites d'accueil, hein, comme la Maison du Lac de Grandlieu. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais puisqu'on parle de la sensibilisation des publics, il faut bien les sensibiliser tous. Est-ce qu'il y a un enjeu à sensibiliser ceux qui sont éloignés des milieux humides? Vous battez pas. Non, mais je crois que c'est vrai que nous, on s'efforce de cibler l'ensemble des publics, et c'est peut-être, nous, dans nos publics, un public même majoritairement urbain qui vient découvrir le site. Finalement, peut-être que les habitants autour du lac, eux, connaissent peut-être mieux cet espace, ouais, de vivre au quotidien. Il y a peut-être un point là qui nous est une perche qui nous est tendue par Grégoire sur ce sujet, c'est par analogie ce qu'on appelle les aires marines éducatives. Vous savez que les gens de Polynésie ont inventé pour protéger leurs plages le concept, les maîtres d'école emmènent les gamins de Polynésie sur les plages, et aujourd'hui il y a des aires marines éducatives sur tout le littoral français. On pourrait peut-être imaginer des zones humides qui est une vocation éducative. La Maison de Grandlieu, les Maisons du Lac est évidemment un très bon exemple, et on ne peut pas avoir des équipements de cette importance-là dans tous les villages. Par contre, à partir d'une mare, à partir d'un petit étang, on pourrait imaginer que les responsables de collège puissent éduquer les jeunes à la qualité du milieu humide ou à la faune qu'elles contiennent, à la flore qu'elles pour qu'il y ait cette sensibilisation comme on le fait assez facilement aujourd'hui sur les plages. Puis un deuxième point qui était important aussi dans la question précédente, c'était le problème de l'hyperfréquentation. Oui. L'hyperfréquentation, elle a été sauvegardée à Grandlieu parce que le propriétaire, en lien avec maintenant le Conservatoire du Littoral, a fait en sorte qu'on ne puisse pas aller faire du canoë sur le lac. En France, actuellement, on est confronté à une véritable difficulté, c'est que toutes ces aires naturelles ont un succès grandissant, et c'est tant mieux, donc ça nous incite à les protéger, mais il faut éviter que la surfréquentation, comme ça a été le cas cet été dans les îles du Ponant, comme c'est le cas dans les grands sites de France comme la Pointe du Raz ou comme les parcs nationaux comme Porcro, comme c'est le cas pour le Mont-Blanc. Et donc, on avait déposé et fait adopter au Sénat un texte de loi qui va venir bientôt à l'Assemblée nationale, où on va donner aux maires des pouvoirs d'organiser la réglementation. Réglementer, ça ne veut pas dire interdire, ça veut dire faire que ça soit utilisé de façon intelligente
pour ne pas ennuyer, pour ne pas abîmer ces sites qui sont magnifiques et dont on a besoin. Il y a un problème d'éducation qui est essentiel. Ok, merci messieurs. Juste une dernière question à laquelle vous allez répondre vite. Là, on était en train de planter le décor. Finalement, vous avez tous besoin, et les sites Ramsar, les zones humides ont besoin de militants partout sur le terrain, c'est ça? Et les militants, c'est un peu, c'est chacun d'entre nous, sont les élus, c'est un peu tout le monde. Et c'est avant tout les habitants, c'est ce qu'on disait, les habitants du territoire qui sont fiers de faire partager la richesse de leur patrimoine bâti ou naturel, et plus précisément pour Grandlieu, mais pour La Brière, pour Marais Breton, l'ensemble des grandes zones humides. De plus en plus, ce sont les habitants qui sont les premiers ambassadeurs de leur territoire et qui sont fiers de pouvoir revendiquer la qualité de leur territoire. Et lorsque on aime un territoire et qu'on le connaît, on le protège d'autant plus. Et à cet égard, d'ailleurs, la Maison du Lac est un exemple, puisque j'ai le souvenir qu'il y a 2 ans, on est venu pour le lancement des Journées mondiales des zones humides. Ben, c'est typiquement le genre de mesure. En France, on fait à peu près 750 événements à l'occasion de la journée de lancement. Je crois qu'on fait, et Madame la secrétaire générale Martha vous dira tout à l'heure si je ne raconte pas d'histoire, mais on fait en France la moitié des événements du monde, pas d'Europe, du monde. 750, je crois qu'il y en a 1800 dans le monde entier. Donc ça veut dire qu'en développant ces journées de sensibilisation, avec l'aide des départements qui aident puissamment, comme celui de Loire-Atlantique ou comme celui de la Somme, on doit pouvoir faire prendre conscience aux jeunes générations, mais également à des personnes qui aiment ces lieux paisibles, jolis, qui leur rappellent leur jeunesse, etc., à les préserver. Préserver les zones humides, c'est préserver l'avenir de l'humanité. Quand on s'est mis ça dans la tête, on devient ami des zones humides. Et les enfants sont des vecteurs formidables pour faire passer le message à leurs parents. Ben voilà, ça a le mérite d'être clair et ça semble très très simple dit comme ça, Jérôme Bignon. Merci pour cette formule choc. Merci messieurs d'avoir planté le décor avec nous de ce 12e séminaire Ramsar. On a jusqu'à demain pour donner tout un tas d'exemples très précis, très concrets d'actions de médiation, de sensibilisation qui sont menées dans différents sites Ramsar, à grand renfort souvent d'outils numériques, pardon, mais aussi à grand renfort d'événements. D'où la séquence à suivre avec un petit zoom tout de suite maintenant sur justement la journée mondiale des zones humides en France. Bonjour Bastien Coïc. Bonjour. Vous êtes l'animateur réseau de Ramsar France et c'est avec vous qu'on va précisément évoquer cette journée mondiale des zones humides en France. Qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai cru comprendre qu'on était hyperactifs chez nous, en fait, c'est ça? Effectivement, Jérôme Bignon vient d'en parler. La journée mondiale des zones humides, c'est vraiment un temps fort au niveau français. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la journée mondiale des zones humides, c'est le 2 février, c'est-à-dire la date anniversaire de la signature de la Convention de Ramsar. Et du coup, à cette occasion, des événements sont organisés partout dans le monde autour le 2 février. En France, on triche un petit peu, on a étendu les animations à l'ensemble du mois de février. Et du coup, pendant ce mois de février, on propose de nombreuses animations à différents types de publics pour sensibiliser à l'importance de préserver les milieux humides. Donc, on est sur une manifestation qui est organisée de façon coordonnée en France depuis 2010. Et depuis cette année, on a un nombre d'animations d'augmentation constante. On était à un peu moins de 300 animations en 2010. Et l'année dernière, on était à 789 animations au niveau français. Ce qu'on peut voir également dans la petite infographie, c'est qu'on avait aussi une répartition assez disparate en 2010, alors que l'année dernière, on avait 95 départements et collectivités, à la fois en métropole et en Outre-mer, qui organisaient des animations. Et je mentionne Outre-mer parce que depuis quelques années, le nombre d'animations dans ces territoires et départements est en forte augmentation. Merci beaucoup, Bastien. On n'a rien oublié? On a tout dit? Par rapport aussi à la coordination nationale, on a effectivement une réussite qu'on peut
comment dire, expliquée par l'aspect réseau vraiment. On a une coordination nationale qui est composée de l'association Ramsar France, des pôles relais, du réseau École et Nature, de la LPO, de la SNPN, et avec l'appui de l'Office français de la biodiversité et du ministère de la Transition écologique. Et l'ensemble de cette coordination travaille avec 48 partenaires qui sont des têtes de réseau national et qui permettent en fait de diffuser l'information au niveau français et un petit peu de quadriller le territoire et permettre justement d'avoir des animations un petit peu partout au niveau mondial. Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, on a parlé de 2020, mais l'année prochaine, 2021, on aura de nouveau une journée mondiale zone humide, peut-être un petit peu particulière vu les conditions actuelles, mais avec une thématique qui est tout aussi importante que celle des années précédentes, qui va être les zones humides et l'eau, avec un deuxième événement, 1971-2021, ce sera les 50 ans de la Convention de Ramsar sur les zones humides. Merci beaucoup, Bastien. On se retrouvera tout à l'heure pour un autre petit zoom comme ça. Mais pour l'instant, on va poursuivre notre programme avec une nouvelle table ronde. Et j'en profite parce que toute l'équipe ici salue ceux et celles qui nous regardent. Alors j'ai vu, vous avez fait des coucous de partout, de la Réunion, de la Guadeloupe, du cœur des volcans d'Auvergne, des montagnes jurassiennes, du marais Poitevin. Bref, vous êtes partout et on est ravis de vous savoir avec nous. Allez, nouvelle table ronde, je le disais, on va aller plus loin sur le thème de la sensibilisation des publics. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne concrètement et comment les publics, une fois qu'on les a sensibilisés, quel est leur rôle finalement, comment ils peuvent agir. En gros, je le dis avec mes mots à moi. Et pour ça, eh bien, j'accueille trois invités prestigieux, mais on n'a que ça, des invités prestigieux dans ce séminaire. L'une est en Suisse, c'est Martha Rora-Surigo. Bonjour Martha, merci beaucoup, beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire générale de la Convention internationale Ramsar. Avec nous également, Pierre Castecker, de l'Office français de la biodiversité, chargé de mission des milieux humides. Bonjour Pierre, merci à vous aussi d'être avec nous. Et puis enfin, depuis l'Angleterre, Chris Rostron, de la WWT, responsable des projets internationaux. Hello Chris. Hello, je suis ravi d'être invité à ce webinaire. On est hyper content aussi de vous accueillir. Je vais commencer avec vous Martha, si vous le voulez bien, donc secrétaire générale de la Convention Ramsar. Peut-être qu'on pourrait commencer avec vous à aborder le contexte international qui est important, où il y a de l'enjeu et c'est lourd. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce contexte international par rapport aux zones humides? Alors, tout d'abord, bonjour et je suis ravie d'être là avec vous. C'est dommage de ne pas pouvoir être à la Maison du Lac. Je me faisais un plaisir de penser à rejoindre ce séminaire dans cet endroit qu'on a pu voir et qui est tellement beau. J'ai eu la chance de participer déjà à d'autres séminaires ainsi que à la Journée mondiale des zones humides l'année dernière. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, le thème d'aujourd'hui est vraiment très important au moment où on vit, où la relation avec la nature est peut-être plus importante que jamais. Et cette question de la sensibilisation est particulièrement importante quand on parle des zones humides. J'avais quelques slides, je ne sais pas si on peut les montrer maintenant. Oui, tout à fait, on va montrer les visuels. Donc voilà, vous les voyez. Oui, est-ce que tout le monde les voit là? Oui, oui, tout le monde les voit, ne vous inquiétez pas. Augmenter, mais je vois, d'accord. Alors, pourquoi c'est important d'engager et de s'adresser au public le plus large? On a déjà entendu les personnes qui ont parlé avant moi des zones humides et comme c'est difficile de les valoriser. Et si on regarde historiquement, les zones humides ont été vues pendant très longtemps et même encore par beaucoup de personnes comme des zones dangereuses où peut-être il y a des maladies ou c'est des zones qui doivent être civilisées, qui doivent être asséchées. Et c'est vrai que c'est cette question le manque de conscience des valeurs des zones humides qui est à la base des défis qu'on a maintenant pour les sauvegarder. La prochaine. Surtout, est-ce qu'on peut voir la prochaine slide, s'il vous plaît?
surtout quand on voit l'évidence scientifique avec laquelle on compte, et ça du point de vue économique, on voit que cette, le diagramme que je vous montre, c'est une étude qui a été faite sur la valeur économique des différents écosystèmes. Et si vous voyez les quatre dernières barres en bas, c'est les zones humides. C'est tant les zones humides d'eau douce que les zones côtières ou les récifs coralliens qui rentrent dans la définition des zones humides. C'est-à-dire que quand on regarde les bénéfices que les zones humides apportent à la société, c'est les écosystèmes qui ont le plus de valeur économique comparée avec les autres écosystèmes. Malheureusement, ça, on ne le sait pas. Et c'est donc pour ça que c'est tellement important de parler et de sensibiliser sur la valeur de ces écosystèmes. On peut voir la prochaine. Parce que si on ne valorise pas ces écosystèmes, on pense que c'est mieux de les utiliser autrement. Et c'est ce qui se passe. On a entendu avant, on construit sur les zones humides, on les dessèche pour l'agriculture, on change ces écosystèmes parce qu'on pense qu'il faut les civiliser. Et donc, ce qu'on réalise maintenant, et on a fait une étude, la première étude de toutes les zones humides du monde, et on a vu qu'on perd les zones humides à un taux plus rapide que tous les autres écosystèmes du monde. Donc, depuis le début du dernier siècle, on a perdu 85% des zones humides du monde. Et aujourd'hui, on perd les zones humides 3 fois plus rapidement que les forêts. Mais quand on pense à perte d'écosystèmes, on pense perte de forêts, on pense maintenant un peu plus aux océans, mais quand est-ce qu'on pense aux zones humides? Donc, il faut vraiment qu'on puisse parler non seulement de la valeur de ces écosystèmes, mais aussi qu'ils sont en danger. La prochaine, s'il vous plaît. Et c'est là où on a aussi des opportunités maintenant qu'on n'avait pas avant. Et je voudrais parler de 3 en particulier quand on regarde le contexte international. Le premier, c'est l'agenda de développement durable et les objectifs de développement durable qui ont été approuvés par tous les pays aux Nations Unies en 2015. Et c'est très important parce que pour la première fois, on parle de développement durable en dehors du groupe de personnes qui s'intéressent à l'environnement. Et c'est là où on voit que les zones humides contribuent à plusieurs de ces objectifs. Et commençons par l'eau. La plupart de l'eau douce qu'on utilise pour la consommation et aussi pour l'irrigation, dont dépend l'agriculture, vient des zones humides. On ne peut pas avoir de l'eau si on n'a pas des zones humides. Si on parle aux objectifs de finir avec la faim dans le monde, les zones humides sont à la base d'une grande partie de l'alimentation. 3 billions de personnes dépendent du riz qui pousse dans des zones humides. Si on pense à la pêche, par exemple, dont dépendent beaucoup de sociétés, ils dépendent des zones humides. Donc, c'est très important de voir que les zones humides ne sont pas importantes seulement pour les intérêts de conservation, mais aussi pour le développement au sens plus large. La prochaine. Et si on pense, Jérôme Bignon a parlé de changement climatique, on ne sait pas le rôle des zones humides. C'est le stockage de carbone le plus efficace du monde. Donc, vous voyez dans cette image le carbone qui est stocké par les forêts, à gauche, et à droite par les zones humides côtières. Là, par exemple, si on voit, les mangroves stockent 5 fois plus de carbone que les forêts. Si on regarde les tourbières, elles couvrent 3% de la surface de la Terre, elles stockent 2 fois plus de carbone que toutes les forêts du monde. Donc, si on voit les zones humides comme une solution à des problèmes plus larges qui occupent l'humanité, on peut avoir aussi des meilleures façons de pouvoir inciter à leur protection. Et la prochaine, si l'autre grand thème dont on discute aujourd'hui au niveau international, c'est la biodiversité. Et cette année, c'était l'année de la biodiversité. Malheureusement, avec tous les problèmes du Covid, on a dû remettre beaucoup d'agenda international pour l'année prochaine. Mais on est en train de négocier un grand cadre d'objectifs de biodiversité et les zones humides en sont une partie très importante quand on pense que 40% des espèces dépendent, vivent à un moment donné de leur cycle de vie dans les zones humides. La prochaine. Alors, tout ça pour dire que si on veut conserver les zones humides, il faut vraiment qu'on puisse sensibiliser le public en dehors
de la communauté, peut-être de nous tous qui sommes aujourd'hui réunis dans ce webinaire, qui sommes convaincus de l'importance des zones humides, qui sommes amoureux des zones humides. C'est un plaisir d'entendre les présentations d'avant, mais quand on regarde en dehors de cette communauté, les gens ne savent pas qu'on dépend des zones humides. Donc, on a des occasions de sensibiliser, on a des arguments, et c'est important qu'on puisse sensibiliser en dehors de notre communauté. Alors, on a parlé, et c'est là où je voudrais finir, d'un exemple de ce que fait la Convention Ramsar, dont, comme on a entendu avant, on a 171 pays qui sont partie contactante de la Convention. Donc, on célèbre le 2 février la journée des zones humides. Et effectivement, comme a dit Jérôme Bignon, ce qu'on fait, c'est qu'on a 171 pays et le secrétariat produit des affiches, des messages, etc. Et tous les pays se mobilisent pour célébrer cette journée. Et on enregistre les pays, enregistre les événements dans un site web. Et c'est la France, la championne de la journée mondiale. Effectivement, on enregistre à peu près 1800. Et la France est toujours en tête avec 500, 700 événements. Et c'est vraiment une reconnaissance de la façon de s'organiser de la France. Il faut dire qu'il y a des pays qui n'enregistrent pas tous les événements qu'ils font. Par exemple, en Chine, c'est très grand et on n'arrive pas à les enregistrer. Mais c'est une façon de montrer aussi qu'il faut sensibiliser un public qui est très large et qui est très divers. Donc, ici en Europe, évidemment, on pense au grand public et on a une image de ce que ça représente. Quand on regarde les différents pays qui font partie de la Convention, on voit que le grand public inclut aussi des communautés locales qui souvent n'ont pas besoin d'être sensibilisées parce qu'eux, ils savent, ils dépendent directement de ces ressources. Mais on inclut aussi les décideurs au niveau urbain et on a des exemples de villes qui se sont rendues compte de l'importance des zones humides et qui donc peuvent trouver des solutions qui font gagner la ville avec des bénéfices, mais aussi qui protègent les zones humides. Donc, pour finir, j'ai commencé par dire qu'on est dans un moment très spécial avec la pandémie qui nous a montré que la relation entre les humains et la nature est très, très, très intriquée et très forte. Et donc, c'est très difficile de vivre ça. Et en même temps, c'est une opportunité aussi de comment redémarrer l'économie d'une façon qui permette de le faire mieux qu'on a fait jusqu'à présent et comment on peut utiliser cette sensibilisation sur les zones humides et la nature d'une façon plus large pour construire d'une façon plus durable et plus et qui évite et qui nous permette d'avoir non seulement une nature en bonne santé mais aussi notre société, l'humanité en bonne santé. Alors voilà pour le cadre international. Merci beaucoup, Martha. Une question quand même en plus pour vous, qui est posée via le chat d'ailleurs. Je l'ai perdue, mais ça revient. C'est Laurent Godet qui demande, et ça rejoignait une question que je voulais vous poser, c'est finalement comment on sensibilise aussi les gouvernements, c'est la question de Laurent Godet, comment on sensibilise au-delà de la population, ceux qui prennent des décisions, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui peuvent agir à grande échelle. Est-ce que la Convention, Ramsar, y parvient ? C'est une très bonne question. En fait, la Convention, c'est des gouvernements. C'est 171 gouvernements. Mais c'est là où on voit le défi, c'est que les représentants de ces gouvernements viennent des ministères de l'Environnement ou des ministères de l'Eau. Et les décisions qui sont prises, qui détruisent les zones humides, sont en dehors des ministères de l'Environnement. Et c'est là où c'est vraiment important de faire le lien avec ces autres agendas, par exemple de changement climatique. Parce qu'on peut trouver et on peut voir que quand on conserve les zones humides et c'est ces solutions de la nature, on peut aussi avoir des solutions pour le changement climatique. C'est en disant que les zones humides sont une très bonne façon, des infrastructures vertes qui permettent de nous protéger des désastres naturels. Donc, on peut parler aux décideurs de ces secteurs-là pour que pour eux, ce soit intéressant et important de conserver les zones humides. Donc, le gouvernement est très divers et c'est très important qu'on puisse sensibiliser les autres secteurs en montrant que les zones humides ne sont pas un empêchement au développement, mais qu'ils permettent au contraire d'avoir un développement qui est plus durable et qui est bon pour le climat, qui est bon pour l'agriculture, qui est bon pour l'eau, qui est bon pour l'infrastructure.
Merci Martha. Et on a compris qu'il fallait ne rien lâcher et tout faire pour se faire entendre plus et mieux. On va avancer avec Pierre Castecker de l'Office français de la biodiversité, où là aussi les enjeux, bon, ben, tout ce que vient de nous expliquer Martha, vous le savez, Pierre, évidemment, à l'Office, à l'OFB. En deux mots, redites-nous cet Office, comment il est né et quelle est sa mission peut-être ? Alors, l'Office français de la biodiversité, il est tout jeune, hein, il est né le 1er janvier de cette année. Et donc, c'est un établissement public qui a vocation à sauvegarder la biodiversité. Il travaille là-dessus. Donc, c'est la fusion, entre autres, de l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et donc, dedans, on y retrouve à peu près 2800 agents, aussi bien des hommes et des femmes qui agissent pour la préservation et la restauration des milieux aquatiques, des milieux terrestres, mais également des milieux marins. Et il se développe donc, avec... En termes de missions, on a des missions donc, de connaissance, de recherche, d'expertise sur les espèces et les milieux, ainsi que leurs usages. On a aussi un rôle sur la partie police de l'environnement et police sanitaire de la faune sauvage. Un troisième rôle sur l'appui et la mise en œuvre des politiques publiques. Un quatrième plutôt sur la gestion et l'appui aux gestionnaires d'espaces naturels, dont les gestionnaires de sites Ramsar. Et puis un dernier qui est l'appui aux acteurs et à la mobilisation de la société, donc qui est tout à fait au cœur, entre autres, du sujet de ce séminaire. Voilà. Et donc, ces hommes et ces femmes, donc ces 2800 agents, ils sont répartis à peu près sur 1900, on va dire, entités territoriales, aussi bien dans l'Hexagone qu'en Outre-mer. On a à peu près 8 parcs marins en gestion, un sanctuaire, entre autres, à Goa, de mammifères marins en gestion, et puis plus de 26 ou 27 réserves naturelles aussi en gestion. Voilà, directement. Ok. Ça, l'Office se développe aussi, on l'a vu avec la création des agences régionales. Hein. Alors oui, même si ce n'est pas du tout les mêmes entités, on reste un établissement public de l'État. Il se trouve que depuis donc, la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité et des paysages, auquel Jérôme Vignon a participé fortement à son élaboration. Il y a des nouvelles compétences qui sont arrivées, on va dire, dans l'environnement en général, et entre autres, les agences régionales de la biodiversité sont une émanation des régions, de l'État, donc des DREAL, et de l'Office français de la biodiversité. Et donc, en ce moment, il y a une constitution, entre autres, de ces agences qui ont des missions, entre autres, d'accompagner les acteurs dans les territoires dans la mise en œuvre de ces différentes politiques publiques liées à la biodiversité et d'arrêter d'avoir un peu des politiques en silo, entre autres. Et puis la deuxième chose qui a évolué aussi dans le cadre du monde de l'environnement, c'est que les communes et entre autres les maires se sont vus donner entre autres des compétences maintenant obligatoires sur l'eau, entre le grand cycle de l'eau et les inondations. Et donc c'est ce qu'on appelle la GEMAPI, et donc ce qui veut dire que maintenant, c'est vrai que on en parlait dans la table ronde précédente, mais les élus et entre autres les maires et les représentants en intercommunalité ont un rôle très important sur la question de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, et en particulier des zones humides. Alors, Pierre, vous, quand on s'est parlé avant, vous me disiez finalement, paradoxalement, et ça, pour rebondir un peu sur ce que disait Martha aussi, finalement, on parle pas mal, c'est pas suffisant probablement, mais on parle régulièrement des zones humides quand même. Ça, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Alors, on en parle régulièrement, oui. En France, on a commencé à faire une étude, entre autres, avec l'Office international de l'eau et puis l'association Ramsar France et l'ensemble des partenaires de la Journée mondiale zone humide sur la communication et comment dans la presse, entre autres, les médias se saisissaient du sujet des zones humides.
Alors, on l'a fait sur la presse écrite et aussi sur la presse, on va dire, média, donc vidéo, télévision, radio. Là, on vous présente celle sur la presse écrite. Ce qui est sûr, c'est que chaque jour, on a à peu près entre 20 une vingtaine d'articles dans la presse sur le sujet zoonomique qui sont dus tout simplement aux travaux et de tous les acteurs qui travaillent sur la préservation des zones humides. Et puis, on a des temps forts de communication où on arrive à tripler ce nombre d'articles, entre autres lors de la Journée mondiale zone humide, où on arrive à près d'une soixantaine d'articles, et aussi lors de la Fête de la Nature, où on arrive à une quarantaine d'articles sur le sujet. Voilà. Donc, ces différents événements au cours de l'année montrent qu'on a une communication assez forte entre, on va dire, début janvier jusqu'à mi-juillet. Et puis après, ça s'étiole un peu, on va dire. Et donc, on a un petit peu moins d'articles sur la période, on va dire, de à peu près de septembre à décembre. Donc, on en retient que vous dites, finalement, aujourd'hui, les zones humides ne sont pas totalement invisibles, mais pour autant, on le sait, il faut encore marteler, il faut encore répéter leur importance et leur mise en danger. Il faut sensibiliser toujours plus. L'art de la pédagogie, c'est la répétition. Donc, de toute manière, notre boulot, c'est de répéter et de le dire un nombre de fois certain, de manière à que chacun soit convaincu de l'intérêt de préserver les zones humides. Et donc, derrière, ça demande du temps. Ça, c'est un premier élément qu'on n'a pas toujours. Ça demande surtout à ne pas le faire seul. Jérôme le rappelait en début de séminaire. On ne peut pas travailler tout seul dans son coin. On est obligé aussi de construire, de travailler en réseau et d'avoir des relais, entre autres, à travailler fortement avec toutes les têtes de réseau, que ce soit le monde agricole, le monde forestier, sur ce sujet-là. Et donc, parmi les initiatives qui ont été lancées, et entre autres, il y a une campagne qui a commencé le 5 octobre dernier. Il y a la campagne Engagée pour la nature, donc de l'OFB, dont l'objectif est d'engager, entre autres, les entreprises avec Entreprises Engagées pour la nature, les collectivités avec Territoires Engagés pour la nature, et puis Partenaires Engagés pour la nature pour tous les autres acteurs qu'ils souhaitent, se mobiliser pour la préservation des zones humides. Donc là, on vous a mis juste quelques chiffres qui sont issus d'enquêtes et qui mettent en avant, entre autres, le fait que un Français sur deux attend que les entreprises s'engagent pour la nature, et il y a 60% des Français qui pensent que les territoires sont déjà engagés pour la nature. Donc l'objectif, c'est vraiment de fédérer ces acteurs-là autour de ces initiatives-là, et entre autres, de pouvoir tirer tout le monde ensemble et qu'on ait des grosses connaissances sur la biodiversité et en particulier sur les zones humides ou peu. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner entre autres les différents acteurs avec des outils, voire les plus novices qui rentrent juste dans le sujet. C'est aussi se dire qu'on va progressivement avancer ensemble, et donc c'est une démarche progrès voilà. Et puis peut-être Pierre insister. Au fur et à mesure. Et puis le troisième point, c'est vraiment qu'ils puissent discuter entre eux. C'est-à-dire rien n'est mieux, on va dire, qu'un élu qui parle à un élu, un agriculteur qui parle à un autre agriculteur, un gestionnaire d'espace protégé qui parle à un autre. C'est ce que vous appelez, Pierre, à l'OFB, la notion de transfert. C'est-à-dire, vous êtes là aussi pour former des relais un peu partout. On revient à cette idée de relais. Donc, pour que lui-même acculture, finalement, ses pairs. C'est un peu ça, l'idée. Oui, et la place de la formation. Alors, il y a la place de construire des communautés d'acteurs, donc, comme je le disais, mais il y a aussi le fait de former des groupes de personnes qui ont envie d'y aller, qui sont motivées, et de partager déjà la même chose. C'est-à-dire, déjà, quand on est capable de
de partager la même sémantique, c'est-à-dire on parle tous de la même chose, on sait tous ce que c'est, on le calcule tous de la même manière, bah c'est tout de suite plus facile après pour échanger, débattre de la pertinence de mettre en place telle et telle démarche. Voilà, c'est l'exemple qu'on a pris, c'est l'utilisation de la méthode, l'accompagnement qui est fait derrière la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides, donc où en 4 ans, on a formé près de 200 organismes, aussi bien des services de l'État, collectivités territoriales, bureaux d'études et aménageurs. Et donc cette méthode, elle s'utilise dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation et de la séquence éviter, réduire, compenser. Et donc dès qu'on arrive à avoir ces acteurs qui ne sont pas toujours en train de discuter ensemble sur ces points-là, mais quand on leur met des outils, quand on les fait partager, et dans le cadre de la négociation sur éviter, réduire, compenser, et on voit que derrière, on arrive à avoir des dossiers loi sur l'eau, entre autres des dossiers réglementaires qui sont déjà plus riches en termes de données, mais aussi mieux constitués et qui permettent vraiment un vrai échange entre les acteurs. Merci, et que Pierre. Ça ne soit pas considéré comme une contrainte. Merci pour votre présentation, Pierre. Alors, on a des suggestions. Giovanni Payet, alors un témoignage depuis La Réunion. Donc, Giovanni nous dit, à La Réunion, nous avons décidé de créer une manifestation photo et film dédiée aux zones humides au mois de novembre. Le public est au rendez-vous et la presse aussi. Comme quoi, il faut y aller, il faut les mener, les actions, il faut rien lâcher. Et puis, il y avait Jean-Pierre Thibault qui nous suggérait, pour ce qui est de la France, pourquoi pas inclure les zones humides au cœur des journées européennes, pardon, et pas seulement nationales, du patrimoine. C'est une bonne idée, probablement, de sensibilisation. Voilà, je voulais vous relayer ça. Chris, c'est à vous. Rebonjour, Chris, donc depuis l'Angleterre. Peut-être un mot pour nous présenter, Chris Rostronsky, j'ai dit WWT. Oui, bien sûr. Donc, WWT, c'est le Wildfire and Wetlands Trust, et je crois que la traduction, c'est quelque chose comme le gibier de l'eau et les zones humides pour la protection de ces deux choses. On a maintenant 9 centres d'accueil dans les zones humides et on a commencé notre travail en 1946. Donc, l'année prochaine, nous allons fêter notre 75e anniversaire. Donc, on a fait ce genre de travail depuis très, très longtemps. On a des centres d'accueil de tous les tailles. Donc, on a le premier, c'est à Slimbridge, dans l'ouest de l'Angleterre. Et le plus nouveau, c'est à Londres. Donc, notre fondateur, lui, il a eu l'idée que les gens ne vont vraiment pas protéger les zones humides s'ils ne connaissent pas les zones humides. Donc, ces centres d'accueil dans les zones humides, c'est vraiment pour donner les gens une expérience de ce que c'est une zone humide et d'être vraiment très proche, d'être dans cette zone humide même. Donc, on a même, par exemple, on a parlé avant un peu de surfréquentation des zones humides, mais là, on a des zones humides qui sont très sensibles, par exemple celui-là de Canada. Le prochain, s'il vous plaît. Et nous, on a, voilà, Slimbridge, c'est là où je travaille normalement en ce moment, non, mais je travaille chez moi. Mais nous, on a ce genre de zone dans les zones humides. Donc, on a, par exemple, là, tout près du bâtiment, il est très occupé, il y a pas mal de gens. Mais là, on a des zones humides artificielles. Et c'est là où les gens puissent vraiment avoir une expérience très proche de ces zones humides. Par contre, un peu plus loin, on a des zones humides plus sensibles. Et là, on a des observatoires, on a des sentiers pour que les gens puissent être proches aux oiseaux, aux zones humides. Mais il n'y a pas d'impact néfaste sur l'habitat ou sur les animaux même. Donc, pour nos activités, on fait pas mal de choses dans les centres d'accueil même. Mais on a commencé maintenant à travailler avec les acteurs aux alentours de ces centres. Parce qu'on a, compris maintenant qu'il faut travailler avec, par exemple, les agriculteurs, les chasseurs, les acteurs locaux, si on veut vraiment voir les changements de comportement. Et c'est là, je crois, que les centres aux zones humides, les centres d'accueil, puissent vraiment avoir un rôle très important pour vraiment aider les gens à comprendre ce que c'est une zone humide. Et surtout, je crois que dans les centres urbains,
on a vraiment besoin d'avoir les activités similaires. Donc, à Londres, on a ce centre de zone humide et c'est là où on peut vraiment avoir plein de gens qui vont arriver à nos centres de zone humide puisque c'est très proche. Et c'est très facile pour eux parce qu'on a nos sentiers, on a les bâtiments, on a un café, tout ça. Et on a aussi tous les gens qui sont vraiment très bien, qui ont eu une formation en comment communiquer avec le grand public. Donc ça, je crois que c'est la chose la plus importante des centres de zones humides, c'est d'avoir des gens qui sachent vraiment comment on peut travailler avec n'importe qui va venir à ce centre d'accueil ou ce centre éducatif pour qu'ils puissent vraiment donner les messages clés de pourquoi ces zones humides sont tellement importantes, non seulement pour la biodiversité, mais pour nous tous. Il y a combien de personnes qui fréquentent vos centres, Chris Rostron? Vous avez des chiffres? Oui, je crois qu'en gros, pour tous les centres, on a par exemple 1 million de gens qui passent par nos portes chaque année. 1 million de personnes chaque année, c'est pas mal. Et vous arrivez, c'est pas mal, oui, voilà. Est-ce que vous arrivez vraiment à faire prendre conscience de comment ça fonctionne, une zone humide? Oui, je crois que oui. Ça dépend le public. Donc, on a des différents publics. On a des gens qui arrivent pour faire, par exemple, avec les écoliers, par exemple, pour faire quelque chose de très structuré, qui vont travailler avec nos collègues pour faire des activités comme vous pouvez voir dans l'image. Mais en même temps, on a des touristes, on a des visiteurs qui vont arriver pour faire quelque chose avec la famille, par exemple, s'ils sont en vacances. Et là, on trouve des autres moyens pour donner des messages. Donc, on peut avoir des balades guidées, des activités qui sont plus rigolos, plus amusants. Et on même utilise, par exemple, on a parlé aussi de ces genres d'outils numériques. Donc, on peut utiliser le portable avec les applis pour que les gens puissent jouer un peu dans la zone humide. Mais comme ça, ils peuvent aussi avoir une bonne expérience. Ils peuvent apprendre des choses dans un moyen un peu moins formel. Désolée, j'ai un petit chat dans la gorge, donc ma voix est bizarre, mais ça va passer. Elles vont comment en Angleterre, les zones humides? Assez bien. Donc, il faut dire, je suppose, que ça fait des siècles qu'on a essayé d'assécher des zones humides et que maintenant, on a perdu à peu près, je crois qu'à peu près 90% des zones humides. Donc, de ce point de vue-là, on a très peu qui nous reste. Et comme ça, il faut vraiment qu'on essaie de protéger ces zones humides. Ouais. Et comme ça, tu peux voir une photo un peu ancienne d'une séance éducative à Slimbridge. Et là, à l'époque, il y avait vraiment très peu de bâtiments. Ça. Mais vous voyez, en ce moment-là, on est en train de reconstruire, de recréer les zones humides au Royaume-Uni. Et donc, on a une chance. Maintenant, on a déjà parlé, et Martha a parlé, de comment on peut vraiment éduquer les décideurs, les politiciens, pour qu'ils puissent comprendre que les zones humides sont importantes. Surtout si on va faire face à ces défis comme le changement climatique. Donc, ce point de vue d'infrastructure verte ou même infrastructure bleue, on peut montrer que d'avoir beaucoup plus de zones humides, soit elles sont permanentes ou soit elles sont éphémérales, on peut avoir ces outils pour vraiment nous aider à combattre le changement climatique, les événements météorologiques qui sont beaucoup plus, c'est quoi le mot, beaucoup plus fréquents et beaucoup plus difficiles à gérer. Ouais. Donc, pour réduire l'inondation, pour réduire les impacts de la sécheresse, les zones humides puissent être vraiment un outil très, très utile pour nous. Et comme ça, je crois qu'on va avoir beaucoup plus de zones humides qui vont apparaître, qui sont peut-être artificielles,
mais qui peuvent vraiment jouer un rôle. Et je ne sais pas, Audrey, si vous avez cette image d'une zone humide de l'air. Une dernière, parce qu'après, voilà. Non, ce n'est pas celle-ci. Ah non, pas de problème. Non. C'est juste qu'on a fait un grand projet pour recréer une zone humide énorme dans l'Ouest d'Angleterre. Et ça, c'était vraiment l'argent. Et ça arrive des fondateurs qui vraiment vouloir voir quelque chose pour aider à la lutte contre l'inondation et le changement climatique. Je pense que c'est l'image, Audrey, si je puis me permettre, peut-être où on voyait les gens autour du panneau. Non, c'est pas ça? Non, ça, bon. C'est autre chose. Alors, c'est qu'on l'a perdu, Chris, on est désolé, on ne l'a pas. Non, pas de problème. Merci. Une dernière question à vous trois, et vraiment, il faut me répondre vite. On a bien compris les enjeux. Il faut plus que jamais sensibiliser, marteler, répéter les messages. Sur ce séminaire, on a choisi de faire un zoom sur le recours à des outils numériques, c'est-à-dire il faut peut-être moderniser la manière dont on parle des zones humides. Vous êtes d'accord avec ça, Martha ? Oui, tout à fait. Il faut moderniser, mais je pense qu'il faut, penser à l'audience, parce qu'évidemment, on est en France et on pense à un certain public, mais il faut aussi comprendre que dans d'autres contextes, il peut s'agir d'autres publics. Et même en France, si on parle des décideurs, des gens des villes, des gens qui sont au niveau local, ça va être toujours différent. Je voudrais peut-être juste finir, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bastien a parlé des 50 ans de la Convention, et on va célébrer ça l'année prochaine, où on aura aussi la COP14. Et je voulais parler de ça parce que c'est une grande opportunité où on espère mobiliser tous les pays, et je pense que c'est une opportunité d'utiliser tous les moyens, en incluant les numériques, pour créer l'intérêt et donner la valeur aux zones humides. Donc, avant de finir, je voulais quand même donner ce message. Et aussi dire, parce que quelqu'un a parlé de l'importance des zones humides en dehors des sites Ramsar. Et je voulais rappeler que la Convention engage les pays non seulement à protéger ces sites de valeur internationale, mais aussi toutes les zones humides. C'est-à-dire que toutes les parties qui font partie de la Convention s'engagent à utiliser de façon durable toutes les zones humides. Et il ne faut pas oublier ça, parce que comme quelqu'un l'a dit, évidemment qu'il y a les sites qui sont de valeur plus grandes qui doivent être conservées, mais il y a aussi tout le reste qu'il faut aussi tenir en compte. Alors oui, c'est important d'utiliser tous les moyens numériques et autres, mais surtout en ayant en tête quel est le public, comment on le définit, quelle est l'audience, et comme ça on peut définir des outils de la façon la plus ciblée. Merci. Merci Martha. Vous êtes d'accord, Chris, il faut utiliser tous les moyens possibles pour communiquer, sensibiliser? Exactement, non, je suis tout à fait d'accord. Et surtout, je crois que ces outils numériques, ils ajoutent quelque chose à l'expérience d'être dans une zone humide. Et surtout, s'il y a une zone humide qui est vraiment sensible, il est mieux d'avoir cette expérience par d'autres moyens. Moi, je crois que la chose la plus importante, c'est de passer du temps dans les zones humides. Comme ça, on a des bénéfices, par exemple, pour la santé physique et la santé mentale. Et finalement, j'aimerais bien ajouter que nous, on travaille beaucoup en réseau dans cette voie migratoire de l'Atlantique de l'Est. Donc, on partage beaucoup de ces bonnes idées, beaucoup de ces expériences, par exemple, par webcam, avec nos collègues partout dans l'Europe et dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, oui. Et vous allez voir, dans notre programme, on va en avoir des exemples précis de recours à tous ces outils. Mille merci à vous trois, on a explosé le timing déjà, donc là je vais courir maintenant, et puis les suivants aussi. Merci d'avoir été avec nous, on poursuit notre programme et on retrouve tout de suite Bastien Coïc. Retour de Bastien Coïc, animateur réseau pour Ramsar France. Et ça va rebondir sur ce qu'évoquait Chris finalement et sur ce qu'il faisait. On va parler des centres d'information et de valorisation. On va faire un point avec une jolie carte, Bastien, que vous avez préparée pour ce qui est de la France.
Oui, tout à fait. Effectivement, ça va rejoindre ce que disait Chris à l'instant et sur l'intérêt de ces centres d'accueil. Alors, il faut savoir qu'à la différence de la GMZH, où on a un petit peu de bagage, on va dire, 10 ans d'expérience et qu'on peut se vanter un petit peu d'être les premiers au niveau mondial, là, on est un peu plus aux prémices, on va dire, des centres d'accueil et du réseau qu'on essaye de constituer au niveau français. Donc, cette carte, là, illustre en fait des centres d'accueil, un recensement que l'on a effectué notamment avec l'AFB, un recensement qui n'est pas exhaustif, mais des centres d'accueil qu'on connaissait d'abord sur les sites Ramsar, mais pas uniquement. On a élargi à certaines zones humides et à certains centres d'accueil qui étaient connus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un réseau et de pouvoir présenter ces centres d'accueil et les valoriser. Donc, comme on est sur un recensement qui n'est pas exhaustif, nous, vraiment, on invite les gestionnaires et les centres d'accueil qui participeraient à cette session et qui ne se verraient pas sur les petits points de la carte à nous communiquer leurs coordonnées via l'adresse qui est en bas de la petite diapo pour qu'on puisse ajouter leurs coordonnées sur cette carte-là. L'objectif ensuite avec l'ensemble de cette base de données, c'est d'abord de les contacter pour les informer qu'ils peuvent participer à ce réseau. Et puis ensuite, leur envoyer de l'information pour la Journée mondiale des zones humides ou autre, mais également pour valoriser les actions qu'eux peuvent mener et favoriser les échanges entre centres d'accueil, parce que souvent, on peut partager une exposition, une mallette pédagogique ou autre, et on communiquera beaucoup mieux aussi si on arrive à mutualiser l'ensemble des informations qui sont fournies et proposées par ces centres d'accueil-là. Donc, en gros, il ne faut pas hésiter, il faut se manifester, quoi. Exactement. Voilà. En transmettant l'information à communication@ramsarfrance.fr et on se chargera de vous donner toute l'information et de vous ajouter sur cette carte. Merci beaucoup, Bastien. Je fais vite, désolé. Merci à vous de nous avoir apporté tous ces éclairages. On va poursuivre ce programme et là, on va rentrer, on va dire, dans des exemples concrets. On va découvrir, pour la fin de cette session, deux sites Ramsar de Loire-Atlantique, non seulement les sites en eux-mêmes, mais aussi les actions qui y sont menées, tous les efforts qui sont déployés pour les faire connaître, les développer et tout en les protégeant. On va commencer tout de suite avec le Marais breton. Et je vous invite, vous qui nous suivez en streaming, vous êtes très actifs sur le chat. Alors, des fois, vous vous répondez entre vous, c'est chouette, ça facilite la tâche. Mais là, quand on va rentrer dans des exemples concrets, vous aurez probablement des questions précises à poser à nos interlocuteurs. Là, par exemple, sur le Marais breton, n'hésitez pas, je ferai au mieux pour relayer vos questions. J'accueille donc deux intervenants, Julie Essager, j'espère que je prononce bien le nom, mais je crois que oui. Bonjour Julie, vous êtes chargée de mission Natura 2000 pour le site Marais Breton, Bête Bourgneuf, Île de Noirmoutier et Forêt de Mont. Voilà, c'est un long, là j'ai donné tout le détail, je ne le ferai pas à chaque fois. Et Jean-Guy Robin qui est avec nous aussi, qui est chargé de mission scientifique à la communauté de communes Océan Marais de Mont. Bonjour à vous deux et grand merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on va commencer avec vous Julie si vous voulez bien. Peut-être pour une présentation globale du site, un site Natura 2000 avec des prairies, des fossés, bref, quelles sont ses grandes caractéristiques, Julie ? Alors, le Marais breton, c'est un grand site de 55 800 hectares qui est à cheval sur la Vendée et la Loire-Atlantique en Pays de la Loire. On a à peu près 35 000 hectares de marais avec des prairies, 7 000 km de fossés. C'est un marais anthropique qui a été entièrement créé par l'homme et gagné sur la mer. Des bassins d'eau salée et sur cette partie marais, il y a à peu près un tiers qui est encore réalimenté en eau salée en provenance donc de l'océan et de la baie de Bourgneuf et deux tiers en eau douce qui provient du bassin versant. Ensuite, on a à peu près 16 000 hectares d'estrang sur ce site Ramsar. Voilà, donc ça, c'est une photo du bois. Où là, on est sur des habitats de vasières et surtout sur des sites qui accueillent beaucoup d'oiseaux. La baie de Bourgneuf accueille 45 000 échassiers, limicoles, oies, canards en hiver.
Et puis dans le site Ramsar, parce qu'on a souhaité que ce soit le même périmètre que le site Natura 2000, on a aussi 2000 hectares de dunes et de forêts. Donc ce ne sont pas à première vue des milieux humides, mais on a un réseau de plus d'une centaine de mares qui ont été créées par l'ONF au sein de la forêt et de la dune et qui ont un intérêt vraiment riche. Donc on a souhaité aussi préserver cette partie-là dans le cadre du site Ramsar. Alors voilà pour la présentation générale. Avant d'aller plus loin maintenant sur la labellisation Ramsar et puis les actions que vous menez, je vous propose qu'on se projette un petit peu au cœur de ce site, en images, en vidéo, puisque vous avez un très joli film, on le regarde. Voilà pour la découverte en images de ce fameux marais, hein, le marais breton, Julie. Le site a été labellisé Ramsar il y a 3 ans. Qu'est-ce que ça a changé concrètement ? Alors, ce que ça a changé par rapport à Natura 2000, qui est animé sur le territoire depuis 2003, c'est, je pense, plus de sérénité par rapport à la communication. C'est-à-dire, il y avait quand même, on a encore des crispations autour de Natura 2000 en lien avec les mesures agro-environnementales, en lien avec les évaluations des incidences. Et Ramsar, ça a permis de multiplier la communication et la sensibilisation sur les zones humides de façon sereine. On a créé un groupe de travail où il y a de nombreux socioprofessionnels présents, parce que j'ai oublié de le dire, mais on est sur un site Ramsar avec de nombreuses activités économiques. Et la particularité aussi, c'est que c'est un territoire sur lequel les gens habitent. Enfin, il y a beaucoup de maisons, etc., sur le périmètre du site Natura 2000. On a des communes qui sont à 90% dans le site Ramsar. Le site Ramsar. Enfin, le périmètre de la commune est à 90% couvert par le site Ramsar. Donc, c'était aussi important d'embarquer toutes les personnes liées aux zones humides sur le marais breton. Et ce n'était pas toujours facile dans le cadre de Natura 2000. Et donc, grâce à Ramsar, on a pu mettre en œuvre de nouvelles actions de communication. Voilà. Il a suffi d'appeler Ramsar un projet d'émission de radio pour que ça passe, Ramsar une soirée pour le grand public pour que ça marche, là où avec Natura 2000, ça coïncidait. Ça bloquait. Donc, vous avez fait une émission de radio, par exemple, quand même. Oui, on a une émission de radio qui s'appelle La biodiversité samedi, parce qu'elle est diffusée le premier samedi de chaque mois. Et donc je travaille pour le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf et on envoie un intervenant sur un sujet en lien avec les zones humides et la biodiversité du territoire tous les premiers samedis. Donc voilà, on fait fonctionner à plein le réseau, puisqu'il faut trouver 12 sujets par an et on est sur notre deuxième année. Vous l'avez évoqué, mais on peut peut-être le redire. Finalement, il y a un travail. Alors, au moment de la labellisation, mais même au-delà de ça, il y a un travail important en réseau, en partenariat avec les acteurs économiques, avec les élus. Quand vous le racontez, on a l'impression que chez vous, c'est un peu idéal, quoi. Tout le monde a compris les enjeux, tout le monde se parle et tout le monde avance dans le même sens. Non, pas vraiment. Ou pas toujours, en tout cas. Mais après, ça fait quand même, je l'ai dit, depuis 2003 qu'il y a une animation en lien avec les zones humides sur le territoire, même avant, dans le cadre du Davio, dont va parler mon collègue ensuite.
Donc, il y avait déjà des choses. Après, la particularité, c'est que le territoire n'était pas forcément volontaire au départ pour être labellisé Ramsar. C'est l'Adréal qui nous a sollicité. Et on a eu la chance d'avoir le soutien de la coopérative de sel de Noirmoutier qui a été vraiment moteur sur cette labellisation et qui a réussi à entraîner les élus, les autres socioprofessionnels dans l'aventure Ramsar. On a quand même mis, je crois, presque 4 ans en fait, à obtenir la labellisation. Donc, ça a aussi été 4 années pour préparer le territoire et pour penser à la création d'un groupe de travail, puisque maintenant, on a un groupe de travail qui regroupe tous les acteurs, les élus liés à la zone humide et qui est le plus actif de mes groupes de travail, qui a toujours plein d'idées. Je les réunis qu'une fois par an parce que sinon, après, on ne s'en sort pas à tout mettre en œuvre, mais ils sont vraiment force de proposition. Et donc, on a aussi, dans ce cadre-là, mis en place une soirée donc dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, toujours un vendredi soir pour essayer de ritualiser, de fidéliser un public, mais aussi d'attirer de nouvelles personnes. Et puis, en faisant écho à ce que disait Monsieur Bignan au début, on a aussi visé les scolaires et on propose à partir de 2021 un parcours nature en 4 séances pour sensibiliser les scolaires aux zones humides, à leur biodiversité, à l'hydraulique, mais aussi à l'élevage extensif qui est très important sur le territoire Ramsar. Et je le pensais par rapport à ce que nous disait Martha tout à l'heure, et on va y revenir probablement avec Jean-Guy Robin, mais le fait que ce site soit au cœur de la population, ou le contraire, la population est au cœur du site, mais la population résidente, et puis les touristes aussi qui débarquent l'été, et en très grand nombre, c'est autant de cibles dans vos actions de sensibilisation finalement. C'est autant de cibles, et puis alors, autant je pense que les maraîchins, les anciens connaissent quand même les zones humides, ils ont grandi dedans, ils ont connu l'époque où ils pêchaient l'anguille, etc., pour vivre. Autant on s'est rendu compte en interrogeant les scolaires que certains ne savaient pas qu'ils habitaient sur une commune où une grande partie était couverte de zones humides. Donc c'est sûr qu'il faut multiplier les opérations, il faut multiplier les cibles. Je pense aussi aux entreprises avec lesquelles on a un travail à faire voilà, pour les sensibiliser, éviter les remblaiements, etc. Et puis bien entendu les élus, mais bon, qui commencent à être bien rodés oui, sur le territoire, sur tous ces sujets. Parce que comme vous le dites, Julie, et c'est, je ne sais plus quel autre intervenant nous l'a dit déjà, on protège bien ce qu'on connaît bien, finalement. Exactement. Je pense qu'il faut, voilà, il faut connaître, et il faut apprécier, il faut aimer les zones humides pour vraiment au quotidien essayer de les protéger et puis multiplier le message aussi. Notre idée, c'est aussi, comme on est sur un site très touristique, que les locaux s'approprient les messages et d'avoir des relais pour sensibiliser les nombreux touristes qu'on a, alors plutôt sur la partie littorale estran, mais bon, les zones humides, c'est pas seulement des marais ou des zones continentales, ouais, hein, c'est aussi des zones d'estran sur la mer, et donc on a besoin de tous ces relais-là. Merci Julie. Alors justement, Jean-Guy Robin, je poursuis avec vous. Comment on fait quand sur un territoire, un site Ramsar, je vais le faire un peu caricatural, mais l'été débarquent 100 000 touristes. Comment on fait à la fois pour les informer, les sensibiliser, leur permettre de passer de bonnes vacances et de rien abîmer finalement? Donc, je travaille sur la communauté de communes Océan Marais-de-Mont, qui est une communauté de communes littorale avec, comme vous le disiez, l'accueil de... Je me décale un peu. Avec l'accueil de nombreux touristes en été, plus de 100 000 pour la commune de Saint-Jean-de-Mont, avec beaucoup de gens qui viennent dans l'hôtellerie de plein air. Alors, la communauté de communes Océan Marais-de-Mont, où je travaille, a décidé, dès 2009, de faire de la biodiversité un atout de son territoire, première chose, et deuxièmement de dire que cette activité-là n'était pas forcément opposée à l'accueil de touristes et que les deux étaient compatibles. Et donc, pour ce faire, elle s'appuie sur 2 structures qui sont des structures muséales, un petit peu comme le site du lac de Grandlieu, qui sont 2 portes sur nos 2 grands espaces. Donc, nous, on a 13 000 hectares de marais, on a un site d'accueil qui s'appelle le Davio, qui est une porte sur le marais. Et puis, on a 19 km de plage, 2000 hectares de forêt dunaire. Donc, on a Biotopia, qui est un site d'accueil et d'information sur notre littoral. Et c'est au travers de ces 2 sites qu'on informe, qu'on éduque et puis qu'on fait des touristes comme des habitants du territoire, des acteurs de la protection de notre littoral.
Et si j'ai bien compris, dans vos actions, vous n'êtes pas dans un rapport, on va dire, d'interdiction systématique. Vous n'avez pas, j'employais l'expression tout à l'heure, mis sous cloche le site. Vous n'êtes pas là-dessus. Il n'y a pas d'interdiction formelle au public. Alors, sur le territoire d'Océan Mer-Edmond, on n'a pas de réserve naturelle. Donc, il n'y a pas de site à protection forte. On a un espace naturel sensible autour du site du Davio. Mais de l'expérience qu'on a sur les zones littorales, en fait, on s'est aperçu que souvent, lorsqu'on interdisait, on omettait d'expliquer pourquoi est-ce que certaines zones étaient accessibles et d'autres non. Et donc, suite à un travail avec nos services communication et puis d'autres partenaires, du tourisme, on s'est aperçu que de travailler plus sur l'information et d'expliquer pourquoi est-ce que certains secteurs étaient protégés, souvent avec des moyens un peu ludiques, lorsqu'on rendait les visiteurs acteurs ou les promeneurs acteurs de la protection du territoire, eh bien, on n'avait pas de dégradation sur les panneaux et souvent on avait une forme d'auto-sensibilisation entre les personnes qui étaient des connaisseurs qui étaient sur place, des gens parfois qui reviennent régulièrement en vacances ou des gens qui habitent sur place, et puis des gens qui viennent juste pour 2-3 semaines. J'étais moi-même assez étonné parce que, en tant que naturaliste, souvent, on a une image assez négative du tourisme et puis des gens qui viennent de façon ponctuelle sur nos territoires parce qu'on se dit que c'est des gens qui sont plutôt à même d'altérer notre biodiversité. Et au final, j'ai été surpris par ces gens qui viennent sur nos secteurs, même des secteurs très touristiques et plutôt des secteurs où on a une image de plage et puis de gens qui sont là pour se prélasser lorsqu'il y a du soleil. On est surpris par leur attachement à ce patrimoine naturel et souvent avec un respect qui est impressionnant en fait et qui a bien fonctionné sur les zones littorales. Alors sur la partie marraine, où on commence tout juste à travailler au niveau d'Océan Mer-Edmond, c'est un peu différent. Vous me voyez, je ne suis pas un animal aquatique, mais je pense que pour les visiteurs, le marais, c'est quand même quelque chose de moins intuitif, comme un espace de délectation ou espace de beauté de la nature. Donc, il y a un travail quand même qui est à faire sur l'humain, sur les gens en général et sur leur compréhension des zones humides, parce que c'est vrai qu'intuitivement, je pense qu'on a tous envie de boucher la flaque qui nous embête lorsqu'on sort de chez soi, où on n'est pas forcément très sensible à ces vastes espaces, en tout cas moins que sur des zones littorales où aujourd'hui le message passe plus facilement. On va montrer des images, Jean-Guy, il y a un vrai travail à faire sur les zones humides qui sont parfois plus difficiles d'accès pour les visiteurs. On a différentes images, alors on vous les montre, je ne sais pas si c'est celle-ci, on a des images d'exposition, ça ce sont des actions qui sont menées, je ne sais pas précisément à quel endroit, mais pour tous les publics. Là c'est sur le site du Davio, l'image de droite est intéressante, entre autres c'est une résidence d'artistes qu'on avait faite sur l'ensemble du Marais Breton, qui avait été vraiment une très belle expérience. C'est aussi le travail sur d'autres moyens d'approcher ou de présenter le marais. L'approche scientifique est intéressante parce qu'elle permet de découvrir beaucoup de choses, mais aussi l'approche artistique était vraiment quelque chose de sensible et qui a permis de réunir la population avec une approche sensible du marais. Et souvent, on protège parce qu'on connaît, mais aussi on protège parce qu'on aime. Et l'approche sensible est vraiment une approche qu'on essaye de développer et qu'on développera dans les années à venir. On voit sur l'image quelqu'un avec une tablette, me semble-t-il. J'imagine que voilà, vous avez, on peut tout découvrir du Maro via votre site internet, sans doute. Alors il y a des choses sur le site internet, mais on vous invite aussi à venir sur notre territoire et à le voir de visu. Et puis on a développé des outils numériques de terrain qui permettent aux gens de découvrir et d'avoir des accès privilégiés à des spécialistes de nos secteurs. Entre autres, sur le site de Biotopia, là on voit la laisse de mer. Lorsque les gens viennent sur le site, on les incite à aller se promener en forêt, à aller jusqu'à la plage. Et puis, avec une tablette qu'ils amènent, ils peuvent découvrir sur le parcours, avec des contacts GPS, des spécialistes des différents secteurs et avoir contact avec, par exemple, Paul Fatal de l'Université
de géographie de Nantes sans être, avoir Paul Fatal en continu sur notre plage, ce qui serait compliqué. Alors, j'ai plusieurs réactions là, sur le chat que je vous soumets. Vivien Chouquet nous demande comment on peut mesurer l'impact à long terme de la médiation sur la biodiversité. Et puis, Jean-Pierre Thibault, très actif sur le chat, c'est intéressant, nous fait la remarque que finalement, la beauté, quand on met en avant la beauté même du site, eh bien, c'est un vecteur puissant d'adhésion. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, par rapport à la beauté, c'est que ça parle à tout le monde, en fait. Oui. C'est sûr que quand on a un discours plus scientifique, on va avoir des biais dans les termes. Et puis, alors que quand on explique que ces espaces ont une forme de beauté et qu'il faut les préserver, tout de suite, ça parle à tout le monde. Et puis, l'approche artistique est intéressante parce que c'est un élément qui parle à tout le monde. Entre autres, la photographie est quelque chose d'important, mais aussi la peinture ou d'autres modes artistiques. Cette approche, on a essayé de la développer dernièrement au niveau du syndicat mixte où travaille Julie. On a utilisé aussi le théâtre. Elle pourra peut-être en parler un peu mieux que moi, mais lors d'une soirée, on a utilisé le théâtre pour sensibiliser aux zones humides. Et un petit mot là sur la question aussi que nous posait Vivien, et après je donne la parole à Julie évidemment, hein. Comment on mesure l'impact à long terme, hein, de la médiation sur la biodiversité ? Peut-être qu'on ne sait pas le mesurer. Ah, on est humain, on veut tout mesurer, on veut tout classer, tout mesurer. Non mais des fois la mesure, elle n'est pas pour contrôler, elle est pour réajuster. Bon, je vais renvoyer la balle à Julie, donc typiquement elle est en train de monter actuellement un observatoire sur l'ensemble de notre territoire. Ouais. L'objectif de ces observatoires, c'est bien évidemment d'évaluer aussi nos résultats pour pouvoir, à la rigueur, réorienter nos actions et puis voir si on arrive à préserver le patrimoine biologique qu'on a sur ces sites Ramsar. Julie, un mot peut-être ? Alors, pour ce qui est de l'évaluation, nous, on va le tester là sur la sensibilisation sur les pêcheurs à pied, la biodiversité. On a ciblé les récifs d'Hermel, les herbiers austères. Et donc, il faut déjà un état zéro. Donc, nous, on avait fait une enquête auprès de 150 pêcheurs à pied. On avait défini un panel test. Et on va refaire ces enquêtes 8 ans après. Et après avoir posé de nombreux panneaux, distribué de nombreux supports, fait des articles dans la presse. Et on va essayer de voir si les personnes enquêtées ont progressé, s'il y a une meilleure connaissance des enjeux de biodiversité sur l'estran et une meilleure prise en compte de la réglementation. Voilà. Il y a beaucoup de réflexions, notamment dans le cadre des aires marines protégées, sur l'évaluation de la sensibilisation. Oui. Et après, pour ce qui est de la beauté des zones humides et de l'accès culture, je pense que c'est important effectivement de diversifier les entrées, parce que sinon on s'est rendu compte, comme le disait Madame Urego, qu'on capte un public déjà averti, et c'était le cas dans nos soirées, et on a essayé de faire venir un public nouveau par le biais de la culture. Et donc on a travaillé avec une troupe de théâtre qui a fait un spectacle en première partie de la soirée Ramsar 2020, et ça a quand même fonctionné. On a eu une vingtaine, bon, c'est pas énorme, mais de nouveaux participants, et voilà, on cherche en fait de nouveaux canaux pour capter un public non averti, mais intéressé par les zones humides. Je me demande si Jérôme Bignon, qui est resté avec nous à distance, n'avait pas envie d'intervenir. Je me trompe, Jérôme ? J'ai tout le temps... Attendez, je mets mon micro. C'est bon, on vous entend. Ah ben là, on vous entend plus. Donc, il y a un petit souci, on vous entendait avant. Là, c'est bien ? Là, c'est parfait. J'ai tout le temps envie d'intervenir parce que c'est mon tempérament, mais je me contiens et je suis très admiratif de la qualité des contributions. Ça me donne 1000 idées toutes les minutes. Donc, je ne dis rien de plus. Merci à tous d'être si brillants, si intéressants. Voilà. Merci Jérôme. Et je rebondis sur ce que vous disiez, Julie. Capucine Dufour nous dit: merci de rappeler que les artistes peuvent sensibiliser à ces questions. J'ai moi-même travaillé pour le Marais Breton en 2016-2017 sur la question des estrans. Nous aurons tout au long de ce séminaire d'autres exemples d'actions de sensibilisation avec comme appui la création artistique. J'aimerais bien qu'on termine avec vous avec un visuel qu'on n'a pas montré. Je ne sais pas comment s'appelle cette petite bête. Regardez, et vous allez nous en dire plus. Je crois qu'elle est très singulière. Alors, il y avait une autre photo aussi. Je crois que c'est une spécialité de chez vous. Julie et Jean-Guy, dites-nous. C'est le pélobate cultripède, ou
crapaud à couteau, qui est un des crapauds présents justement dans le réseau de la centaine de mares, qui est géré par l'Office national des forêts sur notre site. Voilà, c'est une espèce rare. On est sur son aire de répartition nord. Et c'est une espèce qui nous a aussi permis d'être labellisée Ramsar, parce qu'il y avait 9 critères. Enfin, il fallait répondre à au moins un des 9 critères. Et on a pu démontrer qu'on répondait au moins à 8, probablement à 9. Et voilà. C'est une des espèces qu'on valorise sur le territoire et qui est mise en avant dans le cadre de Biotopia. C'est la photo de gauche, Biotopia. OK. Grand merci à vous, Julie Essaguer, désolée, décidément, ma langue fourche, et Jean-Guy Robin. Merci à vous de nous avoir fait découvrir le Marot et puis toutes vos actions et votre philosophie dans les actions que vous menez. Je vous propose maintenant de quitter le Marais breton et de prendre la route de la Grande Brière. Autre découverte, toujours en Loire-Atlantique, bien sûr, d'un site Ramsar. Là, on est donc sur la Grande Brière. Et pour en parler, sont avec nous, nous rejoignent depuis leur chez-eux, je crois. Mathieu Marquet, d'une part, qui est chef du service biodiversité au Parc naturel régional de Brière. Bonjour Mathieu, merci d'être là. Bonjour. Fidèle au poste. Et puis à vos côtés, mais pas physiquement, hein, dans un autre lieu, Claudine Spiotti, qui est animatrice pédagogique au Parc naturel régional de Brière. Avec vous deux, normalement, si tout se passe bien et à grand renfort d'images, de films et tout ça, on va tout apprendre de la Brière, de ce parc régional et des actions que vous menez. Je vous propose qu'on le fasse en deux temps. On va commencer avec vous, Mathieu, pour cette présentation générale du site. Hein, OK ? Très bien, merci. En effet, Claudine et moi, on vous propose une petite balade dans les marais de Brière en images. Alors, les marais de Brière, hein, juste pour situer, il faut monter au nord-ouest du département de Loire-Atlantique, à quelques dizaines de kilomètres de Nantes, au sein de la presqu'île de Guérande. Et donc, on le voit là sur l'image, cette vaste zone humide couvre à peu près 20 000 hectares, essentiellement d'eau douce, enfermée entre l'estuaire de la Loire au sud et l'estuaire de la Vilaine au nord. Voilà, vous l'avez ici à l'image. Donc, patate, entre guillemets, au cœur de la cartographie qui est en vert clair. Et donc, elle est, comme vous le voyez, bien centrée quasiment au centre du territoire du parc naturel régional de Brière, qui fête ses 50 ans aujourd'hui, qui est antérieur finalement à la création du site Ramsar, qui lui, site qui a été inscrit en 1995. Alors, cette zone humide, elle est essentiellement tourbeuse. Elle se compose d'une mosaïque de plusieurs milieux différents. Et l'ensemble forme... on va dire un territoire d'une extrême richesse biologique, notamment pour l'accueil des oiseaux d'eau. Et c'est ce qui a justifié son inscription en site Ramsar en 1995. Parmi les milieux en question, vous avez les prairies humides, naturelles humides de Brière, ici à l'image, qu'elles soient plus longuement ou moins longuement inondées. En tout cas, elles sont soit exploitées par la fauche ou par le pâturage. Et c'est là qu'on va retrouver justement une faune et une flore d'intérêt patrimonial remarquable. On aperçoit la petite taurelle, cette petite apiacée inscrite à la directive Habitat et dont la répartition en France se limite à quelques sites de la façade atlantique française. Vous avez également des oiseaux hein, comme la barjacque noire, un des rares limicoles reproducteurs qu'on va trouver sur nos prairies. Alors, c'est une espèce qu'on partage en commun avec nos voisins du Marais breton qui se sont exprimés juste avant. Et puis, nous avons également cette petite guifette noire un oiseau, une sterne d'eau douce, pour laquelle, en tout cas, la Brière joue un rôle très important en termes de conservation, puisqu'elle accueille encore aujourd'hui la plus grosse population française. Et puis en hiver, dès que les prairies sont ennoyées, les canards de surface trouvent sur ces zones de quoi se nourrir et peuvent se regrouper en bandes importantes de plusieurs milliers d'individus, ce qui caractérise notamment bien le site Ramsar pendant la période d'hiver. Si on passe juste à l'image d'après, autre élément identitaire très fort des marais de Brière, ce sont ces immenses roselières qui couvrent à peu près 8 à 9 000 hectares. Un monde loin des regards, secret, dans lesquels on va pouvoir entendre encore aujourd'hui le buteur étoilé. Donc c'est un privilège puisque cette espèce ne se porte pas très très bien en France ces derniers temps. Et donc on peut l'entendre dans nos roselières à partir du printemps.
en concert avec d'autres oiseaux et notamment tout le cortège des passereaux paludicoles comme la locustelle lucinoïde, le bruant des roseaux et ou encore la gorge bleue à miroir blanc de Nantes que vous avez à l'image. Donc cette espèce endémique qu'on retrouve sur la façade atlantique française. Et puis en période de migration, ces grandes roseaux brilleronnes jouent un rôle très très important pour la halte migratoire de tous ces passereaux qui se reproduisent au nord de l'Europe et à l'Est. Vous avez en exemple ici le fragment aquatique, puisque nos travaux montrent bien à quel point la bruyère joue un rôle important dans son escale migratoire. C'est là qu'il va reprendre de l'énergie, renouveler ses réserves de graisse pour poursuivre son long voyage vers ses quartiers d'hiver en Afrique. Alors, autre milieu important, comment parler de la bruyère sans parler des milieux aquatiques et de l'eau, qui est un peu le dénominateur commun de tous ces milieux. Vous avez ici à l'image une piarde qui témoigne aussi de l'activité passée de l'extraction de la tourbe. Et donc, tous ces milieux aquatiques, donc constitués de canaux, de plans d'eau profonds, de plans d'eau peu profonds, sont des milieux de vie et des réservoirs de vie sauvage, notamment pour les poissons. Vous avez ici à l'image le brochet, mais on pourrait aussi citer l'anguille, puisque la bruyère fait partie des sites importants aussi pour cette espèce. C'est aussi un lieu de vie pour la loutre d'Europe que vous avez là. Mammifère un peu emblématique chez nous, puisque même aux heures les plus noires de son histoire en France, la loutre a toujours été bien présente dans les marais de bruyère. Et puis peut-être pour finir, le tour d'horizon de ces milieux, donc sur la diapo d'après, voilà une illustration de déboisement qui gagne aussi sur le pourtour de marais, qui profitent de l'abandon, de l'exploitation typiquement, et qui sont investis par les grands échassiers, donc les aigrettes, les hérons, et puis aussi la spatule blanche que vous avez à l'image, qui trouvent dans ces boisements inondés un balcon sur le marais et un site favorable pour installer leur nid. Donc tous ces milieux imbriqués constituent une réserve de vie sauvage relativement fragile. On le voit quotidiennement au parc, qui est affecté notamment par l'évolution du lien qu'entretient l'homme avec son marais. Les marais de bruyère ont été façonnés par l'homme. Voilà, on a une très belle image ici. Et il entretient encore aujourd'hui, les bruyérons entretiennent encore aujourd'hui des relations d'appropriation privilégiée et d'usage fort sur le marais, à l'image de la chasse, de la pêche bien présente, des activités aussi de économiques comme l'élevage que vous avez ici avec une belle photo de troupeaux qui sont emmenés par barge au cœur du marais. Autre activité économique, les promeneurs en chaland avec qui on travaille beaucoup et avec qui on essaie d'avoir des discours communs pour sensibiliser le grand public, en tout cas les visiteurs, à la fragilité de ces marais. Et puis dernière image, il faut aussi entretenir le marais. Vous avez la drague ici du SBVB qui intervient quotidiennement pour lutter contre l'envasement de ce territoire. Autre diapo, juste maintenant, la question c'était de se dire comment à notre échelle on contribue à la préservation de ce patrimoine naturel fragile et comment on arrive à le partager surtout et à partager les grands enjeux de conservation avec le plus grand nombre. Alors le parc et ses partenaires mobilisent un certain nombre d'outils et celui qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui c'était l'outil réserve naturelle régionale des marais de bruyère. Pourquoi ? Parce que dès la genèse de ce dispositif, on a intégré très tôt dans la rédaction du plan de gestion un volet important dédié à la sensibilisation et à la pédagogie de tous les publics. Donc, comme tous les plans de gestion de réserves naturelles, celui de Bruyère prévoit un volet important dédié à la connaissance de la biodiversité par des programmes ciblés, prévoit aussi des actions de conservation. On va peut-être pouvoir d'ailleurs voir le petit film, je ne sais pas s'il peut être diffusé. Si, il peut être diffusé. Alors vous allez nous l'introduire le film parce qu'on ne va pas le voir dans son ensemble, c'est le film sur le bagage des phragmites. Oui, mais ce n'est peut-être pas nécessaire, c'était simplement pour... Si, on peut le montrer, au contraire, ça nous fait une pause déjà et puis c'est très beau. Et expliquez-nous juste, qu'on le comprenne puisqu'on ne va pas le prendre depuis le début, on va prendre qu'un extrait. Non, c'est très bien. Alors, on le regarde et vous nous expliquez après. Alors, on y va, on regarde. Très bien, allez-y. Le parc et ses partenaires ont engagé un certain nombre de suivis par l'intermédiaire du bagage. On pose une bague métallique sur laquelle figure une immatriculation gravée individuelle. On prend un certain nombre de mesures biométriques qui nous permettent d'avoir des indices corporels des oiseaux. Est-ce que la bruyère, finalement, est une vraie zone d'engraissement ?
Cette pratique du bagage, elle est mise en œuvre sous l'égide du CRBPO, qui est le Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux. C'est en fait un service du Muséum de Paris. Voilà, donc on en a vu un petit extrait et on comprend que voilà, vous agissez pas seul dans votre coin. Ben voilà, et tout l'intérêt de cet outil, justement, c'est de montrer aussi, d'immerger les usagers, nos partenaires, le public, voilà, dans les opérations et de montrer concrètement, de rendre visible ce qu'on fait au quotidien. C'est vrai que dans nos opérations, finalement, on ne peut pas emmener des gens, on ne peut pas emmener 50, 100 personnes sur nos opérations. Mais par contre, on essaie de développer systématiquement des produits qui permettent de vulgariser en tout cas ces actions et de diffuser le plus possible au grand public. Donc ça, voilà, c'est un des créneaux, j'ai envie de dire, du plan de gestion qui, dans ses grands objectifs, prévoit d'inscrire la réserve dans son environnement social en favorisant notamment le partage des connaissances avec les usagers. Et donc, pour finir, pour ça, on profite également de la spécificité de la réserve naturelle régionale de la Brière, on va le voir sur la carte tout à l'heure, qui est constituée en trois entités distinctes, avec deux entités, les principales que vous avez apercevées au cœur du marais en jaune, qui sont propriétés du marais individu Grand Brière Moteur, et qui sont, elles, interdites au public, c'est-à-dire qu'elles jouent pleinement leur rôle de zone de quiétude pour la faune. Et puis, à côté de ça, la réserve Pierre Constant, qui est la propriété du parc, sur la commune de Saint-Maurice-Garsac, que vous avez sur la droite de la zone humide, eh ben elle endosse justement ce rôle d'accueil du public. D'ailleurs, c'est un rôle qu'elle a. C'est un des objectifs que s'était fixé le parc dans les années 80, d'avoir un endroit où on peut sensibiliser le public au patrimoine briéron. Et donc, c'est la réserve Pierre Constant qui endosse ce rôle-là, avec un accueil physique et un programme d'animation qui est spécifique. Et là, je vais laisser Claudine parler un petit peu plus précisément du contenu. Merci Mathieu. Effectivement, on va passer le relais à Claudine. J'en profite pour rappeler à ceux qui nous regardent, allez-y, posez vos questions à Mathieu et Claudine maintenant. Après, ce sera trop tard, évidemment. Donc voilà, Claudine, on va faire un petit zoom sur votre approche, j'ai envie de dire, en Brière, en matière de sensibilisation. On va le voir, voilà, vous faites des choix que vous n'êtes pas les seuls à faire, évidemment, mais d'accompagner, d'expliquer, de vraiment miser sur la médiation et l'observation qui semble très importante. Je vous laisse nous expliquer ça. Oui, donc comme disait Mathieu, donc on a ce fabuleux outil qui est la réserve naturelle régionale Pierre Constant, qui est déjà en plusieurs espaces, puisqu'on a un espace d'accueil avec une maison d'exposition, et puis un observatoire, justement, qui permet aux personnes d'aller observer de façon en hauteur et puis sans gêner la quiétude des espèces qui sont présentes. Donc, on a deux observatoires sur le site et puis on a également un sentier qui permet justement de guider les personnes sur la réserve sans déranger justement les espèces qu'on essaye de préserver. Donc là, sur l'image précédente, si c'est possible, voilà, on a l'accueil. Alors, je vous parlais de ce fabuleux outil. Ça permet effectivement de parler de faune, de flore remarquable ou non, d'espèces invasives. On voit par exemple sur la photo du bas un chantier participatif qui est organisé justement de lutte contre la jussie. D'arrachage de la jussie, d'une espèce exotique envahissante. Mais c'est, pour en revenir à la réserve, c'est aussi un endroit où on parle de milieu, d'usage. Comme disait Mathieu, on a des usages très forts sur le marais, de pêche, de chasse, d'élevage aussi de marais. Donc l'élevage extensif, comme disait aussi Julie, sur le marais breton, c'est très fort chez nous. Et puis de tourbage. Donc ça permet aussi de parler des usages, mais aussi de l'histoire du marais, de l'évolution des paysages. On parle de géologie aussi. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'aborder plein de thématiques différentes. C'est aussi un outil qui nous permet d'accueillir plein de publics différents, tels les scolaires, donc de la maternelle jusqu'aux universitaires, mais également des professionnels en formation ou en découverte, des acteurs locaux, que ce soit des élus, mais on parlait effectivement des artistes aussi. On a également beaucoup d'artistes qui viennent s'immerger dans le marais et qui en ressortent avec plein d'idées et qui mettent en place leurs œuvres en lien avec le marais. Donc c'est vrai aussi une approche très très intéressante pour nous.
On a également la possibilité d'accueillir des publics à mobilité réduite. Et puis voilà, la réserve, c'est aussi un lieu pour les habitants, pour les visiteurs, avec différents outils mis en place pour eux. On a vraiment cet objectif de mobiliser des formats adaptés de sensibilisation. Donc on a ce qu'on appelle la visite libre, donc la réserve est ouverte sur certains horaires et les personnes peuvent découvrir la réserve de façon autonome, mais on met aussi l'accent sur de l'accueil physique, donc c'est-à-dire une personne vraiment qui est là pour répondre aux questions. Et on va plus loin encore dans la médiation, puisqu'on propose de nombreuses visites guidées qui sont aussi en lien avec notre programme d'animation qui est mis en place sur le territoire. Programme d'animation qui est porté par le parc, mais mis en œuvre pas seulement par le parc, mais aussi tous les partenaires, les associations. Et qui peut se décliner sous forme de sorties grand public, mais également, comme je vous disais, de chantiers, de formations, de partage de culture, d'exposition, voilà. Et puis après, on a un accompagnement très fort aussi sur, en termes de pédagogie, donc avec des groupes, je vous parlais de groupes scolaires. On est en lien avec l'éducation nationale où on propose vraiment des projets sur toute l'année au scolaire et avec justement cette sensibilisation à la nature et puis aux zones humides particulièrement. Voilà pour okay. L'essentiel. Et puis après, en termes d'outils, on est effectivement aidé par d'autres outils. Si on peut voir les autres images, s'il vous plaît. Voilà, comme le parcours immersion en Brière. Donc ça, c'est un parcours numérique qui a été développé à l'entrée de la réserve. Demain, Julie. Donc, on parlera de notre collègue Tiffaine voilà. Demain. Ouais. On en parlera voilà. Longuement demain, donc on ne s'attarde pas. Exactement. Et puis, on a des livrets, effectivement, qui sont édités, des livrets pour accompagner les visiteurs ou même les habitants dans la découverte de façon autonome. Donc, les livrets où observer les oiseaux, un livret sur les poissons qui sont présents sur le territoire, un livret sur la flore. Et puis, après, on a des outils de communication, voilà, comme la page Facebook du parc, comme tous les réseaux sociaux, oui. Le site internet du parc. Là, vous avez justement le petit zoom sur les rendez-vous du parc. Donc, je vous parlais du programme d'animation qu'on met en place sur le territoire. Et puis des expositions, que ce soit des expositions photo itinérantes ou deux expositions, là, que vous voyez à l'image. Une exposition, l'image de gauche, c'est l'exposition qui est dans la maison de l'exposition, justement, sur la réserve, qui parle des différents aspects du marais. Et puis, sur la photo du droite, vraiment, une nouvelle exposition qui a été créée cette année et qui retrace, justement, l'histoire du site Pierre Constant. Ah, on a un petit problème de connexion d'un seul coup avec Claudine Spiotti. C'est pas grave, Mathieu, vous êtes toujours avec nous ? Toujours présent, Mathieu oui. Est toujours présent parce que j'avais une question à vous poser. On a bien compris les outils que Claudine vient de nous présenter. Finalement, j'ai l'impression que vous avez recours au numérique, vous avez recours à des visites guidées, à de la médiation, des visites libres, bon, un petit peu comme chacun essaye de faire, évidemment, des expositions, tout ça. La Brière est quand même pas mal fréquentée. Vous l'avez dit, d'ailleurs, ça fait partie de sa spécificité. C'est aussi un lieu où il y a des activités agricoles, par exemple. Et puis, c'est très touristique. On communique beaucoup ici, en Loire-Atlantique, sur la Brière. Comment on fait, et ça rejoint une question que j'ai abordée tout à l'heure, comment on fait pour gérer préservation, médiation, ouverture ? Est-ce que vous pensez que vous arrivez bien à le faire en Brière ? Je ne sais pas si on peut dire qu'on arrive bien à le faire en Brière. En tout cas, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Claudine a montré tout à l'heure l'exposition sur la réserve naturelle et sur l'entité Pierre Constant qui est ouverte au public. Cette réserve a été créée dans les années 80, justement dans cette optique de canaliser les gens pour leur montrer une vitrine sur le marais, pour éviter justement qu'il y ait un éparpillement un peu partout et qu'on ait un dérangement trop important sur la faune et la flore. Donc, il y avait déjà dans les années 80 ce souhait-là, cette envie. Et puis, les choses ont évolué. Et là, pour accueillir
le public sur la réserve Pierre Constant. On est en train de reconfigurer le site justement par un contrat qui est assez ambitieux avec la région, avec le département et avec l'État, justement pour faire en sorte que le public qui doit arriver, qu'on doit réussir à sensibiliser, il soit là, qu'il ait des choses à voir, mais surtout qu'il ne soit pas trop impactant pour le milieu. Et ça, c'est une réflexion qu'on a au quotidien. On partage quand même une chose en commun, peut-être avec le lac de Grandlieu, c'est que la Brière, elle est assez difficilement accessible pour celui qui ne connaît pas et qui n'a pas de moyens de locomotion, je pense au chaland. Aujourd'hui, le cœur de Brière, il est accessible uniquement par les brillerons, chasseurs, pêcheurs qui connaissent le marais et surtout qui sont équipés pour y aller. Pour autant, voilà, on sait qu'on a une demande sociale de plus en plus importante, il faut qu'on soit en mesure d'y répondre. Les outils numériques, ça en fait partie. On a parlé demain, Tiffaine vous parlera d'immersion en Brière, qui est justement un relais qui nous permet d'attirer les gens sur un circuit peut-être moins impactant et de libérer des espaces qui sont plus sensibles, par exemple, pour l'accueil des oiseaux. Il y a une question que je vous soumets de Jean-Guy Robin. Y a-t-il une différence de public entre les maisons de parc, de sites ? Quel outil pour quel public ? En gros, voilà, est-ce qu'on, alors à votre niveau, à votre échelle en Brière, selon les outils, est-ce qu'on sait qui on touche ? Ah, c'est une très bonne question. Oui, je pense qu'il y a une différence. On le voit, on a sur l'ouest du territoire Quérinet, qui est voilà, un village de Chaumière qui a été restauré par le parc et qui est officiellement le site qui accueille le plus grand nombre de publics sur le territoire du parc, en tout cas avec un discours parc. Sa situation géographique très près finalement des plages, vous connaissez les plages de la Baule, etc., fait qu'on a aussi une forme de tourisme qui est un peu différente du tourisme qu'on va retrouver au cœur du marais, ou en tout cas le touriste qui va volontiers se rapprocher d'un promeneur en chaland pour pouvoir aller découvrir le cœur de Brière. Donc je pense qu'on a en effet des publics assez différents. On se rend compte que par contre, on a une demande de plus en plus importante justement de ce public de nature. Donc il faut qu'on arrive à y répondre. Mais en effet, on se rend compte que voilà, on a un besoin d'équilibrage aussi sur le territoire et que petit à petit, la demande de tourisme de nature, elle repose la question aussi de nos capacités d'accueil. Et puis, dernière question, je ne résiste pas de vous la poser, et c'est pour reboucler avec ce que nous disait Martha tout à l'heure au début de cette session. Il y a un besoin d'alerter sur les dangers qui pèsent sur les zones humides, et puis d'informer, mais de manière un peu forte et impactante, sur la solution qu'elles peuvent représenter, notamment face au changement climatique. Est-ce que les visiteurs que vous accueillez, vous leur tenez ce discours-là ? Est-ce qu'on va jusque-là, ou est-ce qu'on est juste... excusez-moi, je le dis volontairement de manière mièvre, mais sur un accueil pour leur montrer comme c'est joli et que regardez, on a des espèces hyper belles ici, quoi. Oui, avec le visiteur de passage, on ne va pas aussi loin. Ouais. Par contre, on a une vraie question sur les usagers et habitants du territoire. Et c'est vrai que là, l'outil RNR peut être précieux parce qu'on a évoqué tout à l'heure toutes les formes de public. On arrive à toucher les habitants par des rendez-vous sur la réserve avec des animations qui sont proposées par des gens comme Claudine. On va réussir à mobiliser les classes, etc. Mais par contre, les usagers du marais, ce sont des gens qu'on a quand même beaucoup du mal à toucher. Et c'est ceux-là qui vont être les plus impactés finalement par les bouleversements climatiques, etc. Donc c'est pour ça que un des enjeux du plan de gestion, c'était de réussir à les capter un petit peu plus à travers les actions qu'on mène, à travers nos études et les emmener avec nous sur le terrain. Et c'est là qu'on a un petit peu changé notre fusil d'épaule, c'est qu'aujourd'hui, on essaie vraiment de conduire les suivis biologiques, de les faire, mais de manière très concertée et en associant au maximum tous ces gens qui côtoient le marais au quotidien, qui voient les évolutions et qui peuvent les partager avec nous. Et puis très rapidement, Yolande Gall nous demande, à l'ère du numérique, est-ce que les expositions, ça fonctionne encore ? Ou est-ce que ce n'est pas has-been finalement ? Ça, c'est moi qui le rajoute. J'ai pas vraiment la réponse. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a des gens aussi qui viennent dans les espaces naturels pour quitter aussi peut-être les outils numériques, leurs tablettes. Donc je crois qu'il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Et c'est probablement le mix. C'est probablement le mix qui est intéressant. Merci beaucoup, Mathieu Marquet. On n'a pas retrouvé Claudine, sa connexion ne s'est pas remise en marche. Mais bon, je crois qu'elle avait présenté l'essentiel des actions que vous menez en Brière. Mille merci à vous, en tout cas, d'avoir été avec nous pour ce séminaire Ramsar.
dont c'est la fin pour le premier jour, je vous rassure, hein, on se retrouvera demain. Grand merci vraiment à l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui qui ont joué le jeu, hein, et qui se sont adaptés au contexte. Merci à vous aussi qui avez suivi, et je vois, hein, sur le chat, vous êtes encore actifs. Il y a même quelqu'un qui dit « Oh là là, ça manque d'activité, d'interactivité ». Oui, c'est vrai, et pourtant, on en relaie des questions, mais je vois aussi que vous discutez entre vous, continuez à le faire, parce que vous vous apportez des réponses les uns les autres, c'est parfait. Ce qui est important, là, de vous dire, c'est que c'est fini pour aujourd'hui, mais demain, on remet ça. Donc, je compte vraiment sur vous. On compte sur vous. Ramsar compte sur vous. À 14h, même lieu, même endroit, même adresse, même lien de connexion pour la deuxième session. Et pour vous donner envie, voilà, sachez qu'il sera question demain de réalité virtuelle et augmentée, de parcours numérique, de webcam. Par exemple, nous irons nous promener dans les mangroves de Guadeloupe, sur le lac de Grandlieu. On y retournera, on ne s'en lasse pas. On ira dans la réserve du Pinail également. Et puis, nous observerons, entre autres, des cigognes dans leur nid grâce à des webcams, ça doit vous parler ça, Mathieu Marquet, des cigognes, et on verra notamment une jolie vidéo prise la nuit au moment de la ponte d'un œuf par la femelle cigogne. Voilà, tout ça c'est demain à partir de 14h, soyez au rendez-vous, ça vaut le coup, le séminaire Ramsar 12e édition n'est pas terminé. À demain.